Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. webcom Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. Mac -Québec le podcast, c'est toutes les nouveautés Apple, commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses, et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. Mac -Québec Lundi le 2 juin, c'est Noël! Woo! Bienvenue dans la présentation spéciale du WWDC de Mac-Québec. Nous sommes dans les locaux de l'INIS avec le meilleur matériel et probablement le meilleur set setup qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, bienvenue au podcast Mac-Québec. C'est pas gentil pour ceux qui nous ont aidés avant. Mais... Bien, le setup est fort, mais on a des gens qui nous ont aidés avant. Là, probablement que les transitions là, euh, vont, vont être moins difficiles. Bienvenue à tout le monde. Euh, euh, on, vous pouvez nous écouter sur macquebec.com slash direct Si vous avez à vous lever et aller euh, ailleurs, bien, euh, il y a l'application Mac Québec, euh, qui va nous diffuser aussi. Euh, c'est ça, Jean-François? Excellent. Et euh, vous pouvez venir chatter, on a Jean-François, c'est euh, passé Bernard. les trois derniers jours avec Bernard, avec Bernard à setter euh, la, la, la page de, de diffusion. Donc, euh, ben, je me présente, je suis alex Cornelier, euh, co-animateur du podcast Mac-Québec. Pour les gens qui euh, n'ont pas encore écouté le podcast, ça se peut qu'on ait des gens qui nous écoutent en ce moment, mais qui soient jamais venus au podcast. Donc euh, le podcast est diffusé à chaque mardi soir de 20h à 22h en direct euh, et euh, ensuite ben, c'est quand vous voulez parce que c'est en podcast hein. donc euh, vous pouvez le télécharger. Aujourd'hui avec moi euh, j'ai mes quatre acolytes euh, ben, en fait mes trois acolytes je suis le quatrième mm -hmm. euh, donc comme je disais en fait il y a c'était un, 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 un chat euh, a, en fait, ils ont magasiné un chat pendant près de deux jours pour l'installer euh, sur la page de Mac Québec. Jean-François est avec moi. Bon, ça va bien, Jean-François? Oui, très bien, toi? Oui, excellent. C'était moins deux. Hein. On est arrivé à 9 h matin, on a fait le setup. Puis, euh, c'est ça. Là, avec le kit qu'on a, là, on n'est pas, euh, on... <laughs> on pas pire, je trouve quand même. <laughs> très, très bon. Oui. <laughs> Parce qu'il y, y a de l'argent ici, là, présentement. Oh, je ne sais oui. pas combien valent les caméras. là mais euh, c'est quelque chose. Là. Il est rentré dans les studios de l'INIS ce matin euh, en ne sachant pas comment trois caméras SDI et une console Sony euh, fonctionnaient. Il est allé voir une vidéo YouTube et maintenant, he's a master, Jean-Michel Boilly est avec nous. Bonjour Alexis. <laughs> Bonjour, ça va bien Jean-Michel? Oui, très bien, merci. Oui. Euh, il, euh, il, euh, ben en fait, tu étais là au dernier podcast et tu reviens, tu, tu m'écris hier, tu as dit « Hey, Tabarouette, je ne travaille pas de main, j'aimerais ça. Ben, » tu es toujours le bienvenu, évidemment. Bernard Ouellet est avec nous, il fera office de télésino aujourd'hui. Oui, c'est moi qui vais euh, switcher les caméras aujourd'hui. Excellent. Non, mais je vais quand même faire des commentaires aussi également. Bien ben sûr. Aussi. Et je vous invite avec euh, mon co-animateur Jean-François Roy qui est ici euh, présentement. On va faire aussi l'après-match. Donc, ce soir, c'est quoi l'après-match? C'est tout simplement une émission où est-ce qu'on va faire un retour en arrière sur les annonces qu'on va vivre cet après-midi. Donc, on va avoir eu le temps de digérer un petit peu les nouvelles, faire un petit peu de recherche, tenter le pouls un petit peu de… La communauté. La communauté pour voir, bon, c'est-tu bon, c'est pas bon, les gens, tu trêpes-tu ou pas donc, euh, c'est ce soir, c'est à 20h, toujours sur Mac Québec en direct. Donc, euh, suivez-nous ce soir également. On rappelle que la conférence d'aujourd'hui est une conférence de développeurs. On ne s'attend pas à avoir un nouveau iPod de couleur ou euh, euh, un, un nouveau Gugus gentil et mignon, parce que cette conférence-là, qui coûte très cher euh, pour y aller, c'est 1 300 quand même. Euh, donc cette conférence-là s'adresse vraiment. On dit c'est quoi les nouveautés que Apple va mettre dans un système d'exploitation en fait dans deux systèmes d'exploitation iOS 8 et OS X. Euh, donc la version 10 de OS X et euh, Apple va donc donner accès aux développeurs à ces versions-là pour que eux puissent arriver à jour quand ils vont les sortir dans quelques mois autour du mois d'octobre, un peu avant le temps le temps des fêtes. Donc, euh, c'est donc, ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a un paquet de, de, de rumeurs. Euh, il y a plusieurs hauts euh, placés chez Apple qui ont dit que euh, bon, euh, le line-up qui avait des nouveaux produits cette année chez Apple était le meilleur qu'ils avaient jamais vu depuis 25 ans. Euh, on entend parler de différentes rumeurs, euh, la iWatch, une iTV, euh, une télévision Apple. On y croit de moins en moins. Euh, on a eu des, des rumeurs pour un, un carnet de santé, le Health Book, euh, dernièrement, et euh, l'intérêt d'Apple de, de rentrer dans euh, la domotique, qui est une, une taille qui existe depuis quand même 20-25 ans, comme faux, mais qui on dirait qu'il n'y a, a pas de, de joueurs qui ont réussi à amener ça euh, vers le haut. Il y a euh, Google récemment qui a acheté Nest, qui est un fabricant de produits. Très, très intéressant dans le domaine de la domotique pour 3.2 milliards de dollars. C'est un peu plus cher que ce que qu'Apple a payé pour des paires d'écouteurs euh, ouais. chez, chez Beats. Effectivement. Voilà. Euh, question. Pouvons-nous écouter la conférence à Apple sur le iPhone? C'est un peu comme si on nous demandait est-ce que je peux payer moins cher ou je peux euh, aller euh, écouter pas la conférence avec vous? La réponse, c'est oui. Vous avez simplement à télécharger l'application. C'est quoi C'est... WWDC? Euh, non, wow, ça c'est Apple, Apple Events. Chose Apple que, Events, oui. Donc, euh, vous pouvez l'écouter. Euh, honnêtement, Tim Cook est vraiment plus plate que nous euh, sur une scène. Euh, c'est sûr que Hedy Q et les autres sont intéressants, mais moi, je resterai ici. Je pas besoin de faire la translation euh, instantanée. C'est vrai qu'il il manque quelque chose un peu ben, c'est n'est pas, pas Steve Jobs non, ça c'est en fait. sûr mais sauf que ça serait le fun que cette année ça change que ça soit tout lui au complet qui fasse la présentation pas qu'il présente mettons bonjour je vous donne les chiffres puis après ok voici uh, iOS 6 avec uh, moi j'aime mieux j'aime mieux que ce soit uh, Ferengi puis Liqiu uh, qui uh, qui rentre sur scène puis qui, qui parle c'est eux autres aussi qui ont les lignes les plus les plus punchées. Tim Cook doit rester l'espèce de 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 pape, si tu veux, là, qui, est, ah ouais. qui est en haut et qui ne dit pas un mot plus que l'autre. Mais les autres peuvent donner des, des petits jabs. Là, des, euh, Phil Schiller qui rentre sur scène et qui dit Can't innovate euh, can't innovate no more my ass. Mm -hmm. euh, C'est des, des phrases qui sont, euh, qui sont intéressantes à avoir. Donc, euh, voilà, vous pouvez l'écouter sur ça, mais on, on vous recommande de euh, rester avec nous, en fait. Voilà, encourager. Euh, l'industrie locale. Ouais, c'est comme si tu écoutais une game de hockey sans commentateur. Tu pourrais t'en contenter, oui. mais c'est mmh. toujours intéressant d'avoir un petit peu euh, des avis, des, des réactions, euh, comment on voit ça. C'est comme... toujours intéressant. Tu sais, Exactement. De savoir, un, des, des commentateurs nous euh, donner des informations supplémentaires. Voilà. Euh, je vais me tourner vers toi, Jean-Michel. Tu as, 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 en fait, as accumulé en fait, euh, les, les rumeurs euh, des, des derniers jours, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, plus là-dessus? Oui, c'est ça. Bien, on on, on s'attend, comme tu disais, c'est sûr que le WWDC, c'est une conférence de développeurs, donc on s'attend qu'il y ait un focus énorme sur euh, le développement les logiciels d'Apple, plus que sur le hardware. Donc, c'est presque évident qu'ils vont annoncer OS X 10.10. Il y a ce oui. En tout cas, si on, on... si on suit à la photo sur euh, la, 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 la bannière qu'ils ont installée cette semaine. Exactement. Euh, et aussi il y a iOS 8, là, bien sûr, là, comme à chaque année, là, qui devrait être annoncé du moins. Et puis la première version de la bêta devrait être lancée aujourd'hui si on suit nos expériences passées. Gros changement dans iOS 8. Euh, il semble qu'il soit passé du Helvetica Pourquoi je m'entends? Merci. Du Helvetica New Ultralight au Myriad. Gros changement. Oh. Ah oh, euh, oui, je savais même pas que ça allait changer Je sais pas, il y a quelqu'un qui, qui a passé ça comme commentaire quand il a vu le 8 sur la banderole, ah, okay. mais je suis même pas sûr que c'est <laughs> du Myriad. Je pensais qu'on allait vraiment changer la police de, de, de caractère, ouais, si, encore... Mais si vous attendez à avoir des gros changements dans iOS 8, il n'y en aura probablement non. pas. Là, on a eu un gros, gros, gros changement de design avec iOS 7, mais iOS 8, c'est beaucoup plus des petits tweaks là, qui vont être... Là, pour, euh point de vue du design. Ce qu'on s'attend à voir, par exemple, ce serait Healthbook, oui. qui, est, on en a parlé là, dans les semaines passées, qui serait une application développée par Apple qui aurait un focus sur la santé et puis euh, les données biométriques, là, si, je peux, si je peux dire ça comme ça. Imaginez en fait, parce qu'il y a eu, l'application n'a pas coulé, l'information par rapport à l'application a coulé, quelqu'un a comme dessiné un peu à quoi ça pourrait ressembler. C'est ça C'était basé sur Passbook pas mal, ça des fiches avec euh, chacun de nos signes vitaux puis nos informations que Exactement. Cette application là pourrait être possiblement reliée soit à des accessoires créés par d'autres compagnies, mais possiblement à un futur accessoire, une forme de montre intelligente que Apple là, pourrait euh... plus plus euh, plus j'y pense et plus je trouve que le nom iWatch est un petit peu d... euh, diminutif par rapport à ce que Apple, on pense que Apple veut sortir. Euh, on sait que Nike s'est retiré récemment du... du Nike faisait depuis plusieurs années euh, euh, un bracelet, un le Nike Fuel, ouais, qui, qui, qui était bien vendu, que, que beaucoup de gens appréciaient, mm -hmm. euh, qui avait un très beau design. Euh, D'ailleurs, le gars qui a fait le design, qui s'est occupé du design de ça, a été débauché par Apple. Mm -hmm. Donc... On s'attend que si le gars qui dessine des bracelets chez Nike, il risque de, de dessiner des bracelets chez euh, Apple. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont été amenés dans le giron d'Apple au, 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 au cours de la dernière année et qui euh, soit viennent du domaine de la santé, soit viennent du domaine du, euh, de l'objet de luxe. Il mm -hmm. euh, y a une, une fille qui a, été, qui a été amenée dans le giron d'Apple qui a aidé 30- quelques compagnies. À euh, faciliter euh, l'acceptation d'un produit médical par euh, la Food and Drug Administration américaine. Euh, donc, euh, on imagine qu'Apple veut faire approuver un produit. Il euh, y a des gens de Burberry, je crois, ou bleu, euh, ouais, la, la compagnie anglaise qui fait des. Euh, un, 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 euh, C'est une compagnie qui vend des, des trucs de luxe, entre autres un, un imperméable très, très reconnu. Et euh, la fille, au début ju mai, si je ne me trompe pas, euh, transférait chez Apple pour aider au niveau des boutiques à Apple remonter le niveau. Mm -hmm. euh, donc, euh, voilà. C'est ce qui nous fait penser qu'il y a un iWatch, mais c'est un petit peu diminutif de dire qu'ils vont mm -hmm. nous mettre quelque chose qui va révolutionner le fait de nous montrer l'heure sur le poignet. Je ne pense pas que ce soit ça mais moi, moi de toute façon ça m'étonnerait qu'il y ait un iWatch d'annoncer aujourd'hui j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs marqué dans le document non c'est la seule explication que j'ai mis là, sur le iWatch mais ben, si Apple pas... sort une montre elle va avoir son propre événement ouais. ils peuvent ben, pas juste trop, faire c'est trop, euh... trop gros pour lancer ça parmi euh, d'autres améliorations logicielles mais dans un sens si Apple parle de Healthbook aujourd'hui puis qu'ils veulent S'ils veulent en parler au complet, ils n'auront pas le choix là, de parler de, du, du, du dispositif qu'ils veulent créer là, pour aller avec ça, si c'est Apple qui veut créer ce dispositif-là, s'ils ne laissent pas ça à des développeurs là, tiers. Ben, euh, c'est ça, en fait, ils pourraient mettre en place dans euh, le logiciel les, les, euh, les SDK pour le faire, les, les, mm -hmm. euh, puis les compagnies ont juste à utiliser ça, entre autres les données provenant de la puce M7 euh, ça. Là, ouvrir un, un petit peu plus ça. D'autres euh, choses au niveau des rumeurs? Dans iOS encore, on avait vu des euh, captures d'écran qui soient fausses ou vraies, là, euh, avec une icône, un preview, et puis une icône text edit oui. sur, le, sur euh, un iPhone. Et ça serait peut-être une possibilité pour Apple d'ouvrir un système de fichiers sur ses appareils iOS et puis euh, d'offrir la possibilité aux utilisateurs de partager des fichiers entre les, euh, les différentes applications. Une, une sorte de « finder » en quelque part. Ça, parce que « preview » et puis « text edit », c'est les, les applications euh, d'édition de fichiers puis de visualisation de documents qui sont à la base d'OS 10 qui sont utilisées euh, par toutes les applications là, par défaut. Donc, si ça vient sur iPad et iPhone, on imagine que ça va peut-être être intégré là, un peu à la manière d'OS de, de 10 est-ce que, est que toi, tu verrais un. Pas de problème, on, on a euh, les caméramans qui viennent de rentrer euh, en, en studio. Euh, est-ce que toi, tu verrais une version un petit peu édulcorée de TextEdit ou Aperçu ou avec toutes les fonctionnalités, par exemple la possibilité de signer euh, un document avec Aperçu ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'on peut le faire avec. Euh, est-ce que Adobe Acrobat sur euh, iOS offre la possibilité de signer? Puis de signer, de je ne sais pas, je pense pas. Oui, est-ce que. Est-ce que c'est quelque chose où ça serait utile Oui, pour les, les personnes les qui ont des contrats signés. Moi, personnellement, j'en ai pas. Personnellement, n'est pas une fonctionnalité que je me sers. Mais mm -hmm. j'imagine que on voit de plus en plus de gens utiliser un iPad ou un iPhone dans un domaine d'affaires. Puis il y a des transactions qui se font. Puis la signature électronique fait de plus en plus de plus en plus une grande place. J'imagine que ça serait quelque chose d'utile. Que ça serait quelque chose qui pourrait démarquer. Preview des autres applications qui existent, parce qu'il y en a plusieurs, les applications pour visualiser des PDF. Là, oui, sur, oui, tout à fait. Goodreader, mm -hmm. entre autres, qui en est une très bonne. Euh, on en a parlé il y a quelques semaines au podcast. Et euh, Goodreader, en fait, a un espèce de finder ou un, 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 une partie qui permet de gérer mm -hmm. les fichiers. Mais encore qui là, c'est local, oui. c'est juste dans Goodreader. Tout à fait. C'est ça. Ensuite? Sinon, euh, oh, on a vu apparaître ça là, dans les derniers jours, euh, le lancement d'une plateforme de domotique un petit peu là, oui. avec euh, Apple. Je ne sais pas qu'il si pourrait aller faire ça. C'est sûr qu'Apple ne sortira pas d'objets, de. de, de de dispo dispositifs de domotique en tant que tel, mais ce serait vraiment une ouverture aux euh, développeurs. Peut-être qu'il y a eu de la demande là, pour ça. Euh. Oh. D'un côté, en fait, moi, j'en ai vu des dispositifs très, très, très dispendieux au niveau de la domotique mm -hmm. qui fonctionnent avec euh, un iPad. Euh, ça demande d'avoir un serveur à côté euh, et une application sur, euh, sur le iPad. Le look n'est pas très propre de ça. C'est mm -hmm ça fait pas très très Apple donc si Apple permet d'améliorer euh, ce segment là qui est habituellement acheté par des gens qui ont beaucoup d'argent ouais c'est ça de ben, l'autre quoi que c'est de plus en plus grand public avec l'arrivée de Nest puis de WeMo puis de toutes ces choses là c'est vrai sauf que chacun de ces appareils là est géré euh, et, et gérer de façon individuelle avec plusieurs applications. Si on était capable d'avoir un endroit central mm -hmm, ça. pour les gérer, ça un pourrait… Genre, être... Un genre de passbook pour la domotique. Exactement. Donc, on aurait un passbook pour nos données de santé, un passbook pour nos billets en tant que tel, puis un passbook pour la Ouvrir domotique. Ouvrir les rideaux. C'est ça. <laughs> Jean-François, tu allais dire quelque chose? Il euh, y a des photos qui sont en train de sortir, euh, que ce serait vraiment les photos qu'on a vues ce matin, à quoi ressemblerait 10.10. .10. OK. Donc, c'est un, un look, on va y revenir, c'est un look ouais. un peu plus aplati. Ouais. Tu peux continuer, euh, Jean-Michel? Donc, c'est Yosemite, ce c'est vraiment Yosemite. Ce oui, oui, c'est vraiment ça. Vie. Je calé il y a six mois. Bam! Ça. <laughs> Je suis content. Donc, c'est ça, la plateforme de domotique. Et puis, il euh, euh, y a quelques semaines, quelques mois, on avait vu aussi là, des rumeurs apparaître de multitasking, là, split screen sur l'iPad, qui nous permettrait d'utiliser vraiment deux applications en même temps. Dernièrement, on a entendu dire que ça n'arriverait pas, en fait, parce que ce mm -hmm. euh, serait très compliqué à implanter et les applications ne seraient pas prêtes. Donc, peut-être que ça va arriver avec iOS 8, mais plus tard. Parce que là, on parle d'un format d'écran différent. Il faudrait, faudrait vraiment que chaque application soit adaptée par le développeur. Pour... Quoi qu'on pourrait peut-être faire fonctionner deux applications en format iPhone côte à côte, mais on ne pourrait pas le faire avec deux applications propres pour l'iPhone. On pense. Euh, des applications, mais qu'une version iPhone, une version iPad ne distincte, ça fonctionnerait pas. Mais. mais si on fait ça comme ça, ça serait, ça aurait vraiment l'air du patchage mm -hmm. euh, pour avoir une fonctionnalité qui ressemble à ce qu'on a sur Android et sur Windows Phone. Ça. Euh, ces applications là, on, 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 ces systèmes d'opération là, ont été faits plus euh, plus récemment mm -hmm. et euh, ont implanté ça. C'est une des fonctionnalités. Euh, qui est mise à l'avant pour la vente de ces, de ces plateformes-là, ça permet de faire euh, du transfert de données entre une et l'autre des applications, ou de les consulter les deux en même temps, par exemple de tweeter pendant qu'on écoute une émission de télé diffusée à côté. Exactement. Euh, personnellement, je doute que iOS 8 va être compatible avec l'iPad 2, donc on devrait voir une compatibilité avec iPad 3 et plus, donc le, the new iPad et plus. Donc euh, iPad 2 qui est sorti quand même en 2011, si je ne me trompe pas, c'est ça Oui. Ouais mais qui est encore vendu l'année passée. Donc, des gens qui auraient acheté leur appareil l'année passée, même au début de l'année, ne pourraient pas le mettre à jour. Là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'après moi, c'est ça parce que là, j'ai iOS 7 sur mon iPad, et c'est quand même là, assez lent. Là. Donc, ça m'étonnerait que Apple ait réussi à optimiser là, assez là, pour euh, rendre ça utilisable là, vraiment, là. du moins toutes les fonctions sur l'iPad 2. La même chose pour l'iPhone. Est-ce euh, que l'iPhone 4 va être encore compatible avec euh, iOS 8? D'après vous. Est-ce que les iPhone 4 vont être non, non, pas pas en tout. Je pense pas. Euh, c'est un appareil qui, qui, qui est trop vieux. Sauf que euh, il était vendu encore récemment cet ouais, appareil-là. C'est ça, ça c'est vendu jusqu'en octobre dernier là, quand l'iPhone 5S est sorti. Récemment, il y a euh, LG qui a sorti le G3 mm -hmm. et euh, le processeur de cet appareil-là, la, la puissance de cet appareil-là serait deux fois supérieure à ce qu'on a dans le iPhone. 5S actuel. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr que six mois plus tard, on ne peut pas le comparer directement à un téléphone sorti six mois avant, mais euh, on peut s'attendre à ce que le prochain téléphone soit donc mm -hmm. deux fois plus fort que le iPhone 5S. Le iPhone 6 devrait en. C'est pas mal toujours ça. C'est pas ouais. mal toujours ça. Donc, c'est dur à ce moment-là, de génération mm -hmm. en génération, de doubler la vitesse ou sa, la puissance du téléphone ça. et de de conserver des téléphones un petit peu plus vieux qui vont qui vont rouler le, le même système d'exploitation. Sinon, euh, on parlait euh, avec iTunes, on a vu là, récemment là, ici au Canada puis dans d'autres pays, on a eu des euh, on a vu sur internet l'apparition de iTunes Radio là, dans les applications ou sur la Apple TV ou sur euh, iTunes là, sur PC ou Mac. Donc, ça pourrait laisser le présager là, que le iTunes Radio pourrait être lancé dans d'autres pays aujourd'hui. Ah, ok. Oui. Puis même on y a eu une décision là, de la Cour suprême là, ici au Canada là, pour les royautés, là, justement, pour ces services de, de streaming en ligne là. Ah, ok. Donc, Excellent. Moi, d'après moi, moi là, tous les éléments sont comme réunis pour que ce service-là arrive au Canada aujourd'hui. Puis ça serait un bon moment là, selon moi là, pour faire le lancement. Ça serait Excellent. intéressant. Oui. Puis il y a aussi euh, une rumeur là, qui dit que le, de, y a du contenu audio haute définition qui serait disponible sur l'iTunes Store. Donc des fichiers du genre de FLAC, FLAC. Okay. Euh, avec une meilleure qualité sonore. J j, moi personnellement, j'en doute que le commun des mortels serait capable là, de différencier, de faire la différence, surtout avec les écouteurs Apple. Ça prend vraiment des écouteurs. Euh, Qualité audiophile, là, pour voir la différence. C'est comme une perche que tu me tends. Les fichiers audio haute qualité, peut-être qu Apple veut s'en aller vers là. Mm -hmm. euh, en ce moment, il y, y a un projet très populaire qui est probablement fini de financer sur euh, Kickstarter ou Indiegogo. C'est un lecteur de fichiers audio qui est euh, mis de l'avant par Neil Young, si je ne me trompe pas. Le Poyo. Mm -hmm. euh, pas le Poyo. Le Pogo. Le Pogo. Bon, le Pojo, ou en tout cas, je ne sais pas exactement comment il s'appelle, mais euh, dans cette boutique-là, il faudrait racheter tous ces fichiers. Mais mm -hmm. euh, la, la publicité, elle est simple c'est tous les, tous les artistes euh, musicaux que, que, que vous connaissez et respectez, que ce soit Skrillex, Lady Gaga ou euh, d'autres euh, qui, qui, qui sont de, de vrais musiciens, les Red Hot Chili Peppers, euh, 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 bon. Euh, euh, D'autres groupes, mm -hmm. on leur met les écouteurs sur les oreilles, on leur fait écouter. Et ce qu'ils disent, c'est le son que j'entends dans les écouteurs, c'est le son que j'ai en studio. Donc, une restitution sonore euh, pratiquement parfaite. Donc, Apple pourrait vouloir aller dans ce segment de marché-là pour justement pas se faire prendre euh, son, son marché musical par, euh, par cet appareil-là, qui, qui en est encore en fait à ses balbutiements. Il n'est même pas encore sorti. Ça, mais le concept de mettre du meilleur son dans les oreilles du monde, ce n'est pas, pas une mauvaise idée. Euh, avant de continuer, j'ai oublié au début euh, du, du, du show, euh, on, on, on est accueilli à l'INIS euh, avec, euh, avec l'équipement. Mais euh, le podcast d'aujourd'hui a été rendu euh, possible grâce à, à d'autres gens qui nous ont aidés. Entre autres, euh, iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnels sur euh, Sainte-Catherine, chez qui je suis allé récemment. Et je pense qu'on utilise un des ordinateurs qu'ils m'ont réparé aujourd'hui. Ils m'ont réparé un iPhone 4 aussi. Des trucs que j'avais chez moi que je pensais irréparables. Mm -hmm. Et euh, je leur apporté sans, sans m'attendre à grand-chose. Et puis, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Écoute, euh, Tel appareil, tel appareil que tu nous as amené, il n'y a pas grand chose à faire. De toute façon, c'était des appareils qui étaient très vieux. Mais euh, le, le MacBook Pro Unibody euh, 2009 que tu nous as apporté, on a réglé le problème. Et le iPhone, euh, ils ont réglé le iPhone 4, ils ont réglé le problème. Donc, euh, euh, je, suis, je suis bien content euh, de ça. Ils m'ont fait visiter à l'arrière. Ils ont encore du nouveaux équipements et tout. Ils peuvent faire pas mal de choses. Euh, on remercie aussi euh, Reptile Tech pour. Euh, euh, pour l'infrastructure de, de Mac-Québec, le site Mac-Québec, qui n'a pas bronché, il hein, faut le dire aujourd'hui. Ouais. Euh, mm -hmm. Il n'a absolument pas bronché. Euh, donc, les gens se connectent tranquillement. On sait que la présentation commence à 13 heures. Donc, habituellement, c'est toujours un petit peu plus lent vers le début de la présentation. Et puis, les gens se rajoutent au fur et à mesure. Euh, On a donc, 50 personnes qui nous regardent présentement. Là, quand et bonjour à ces 50 personnes-là. Oui, tout à fait. Euh, on va essayer peut-être un petit peu plus tard de rejoindre, euh, de rejoindre différentes personnes, peut-être des gens qui sont à la WWDC ou nos amis de On refait le Mac, euh, avec qui on va peut-être réussir à faire une, euh, un, un, un duplex. C'est comme ça qu'ils appelaient ça dans le temps. Là. Un duplex pour… Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a pris le chat, là, on a pris MIRC. hein. Ouais. C'est une technologie solide. solide. Ah Et oui. je, je pense que s'il y a une attaque nucléaire, MIRC va continuer à survivre. C'est-à-dire que c'est IRC. MIRC, ouais, c'est le, 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 le vieux ouais, logiciel qu'on utilisait. Ouais. Donc, c'est le protocole Mac, il avait, IRC. Sûrement qu'il y a Colloquy. Colloquy. C'était quoi le nom avant IRC-LE, IRCLE ouais, qui, est, qui est plus compatible maintenant. mais... Euh, donc, vous pouvez euh, MIRC est encore vendu, d'ailleurs, ils vendent encore ça une vingtaine de dollars. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, oui. oh oh oui. euh, D'ailleurs, Dominique Desbiens dans le chat qui nous dit que euh, notre chat lui rappelle MIRC parce qu'on voit les gens se connecter ouais. et euh, se, se, se déconnecter. Pour ceux qui, qui chattaient sur le, le chat de Vidéotron à l'époque, qui était le plus gros serveur francophone de la planète à l'époque. Oh. Euh, C'est moi qui gérais ça, c'était le fun. Moi, <laughs> 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 power. C'est pour ça que j'ai dit, hey, on pourrait mettre un petit, euh, MIRC, euh, un, petit, euh, petit, un petit client IRC là, sur la page. Ça marche toujours bien. Il faut savoir qu'entre le moment où vous écrivez, euh, nous, on reçoit le commentaire. Par contre, avant d'y répondre, de le lire, il est possible que vous euh, voyez qu'il y a un délai de une minute. C'est normal. On utilise la plateforme YouTube et on a activé euh, le... le le système qui fait que si ma chemise tombe et on voit euh, ma poitrine, ben on va pouvoir euh, rapidement euh, pallier ça. à ça. On fonctionne comme, euh, comme Don ch Cherry à CBC, un petit oui, délai oui. de quelques secondes. Oui, hein, ouais, Exactement. Comme Jackson, uh, ça, Justin ou à la commission Charbonneau, c'est la affaire. Wardrobe malfunction. C'est pas en direct quand on regarde la commission Charbonneau. Hein. Ah non? Non. Il y a un décalage. <laughs> fait qu'ils peuvent couper. Si mettons, il y, y a quelque chose qui ne vous fait pas dire, il fait couper. Il y en a, a un qui pète une coche. Exactement. Euh, il te coupe ça direct là. Y a, y a il y a un caporal l'ortie qui rentre. S'il y a trop de. Je sais pas. Hmm. On oh, le sait pas. <laughs> S'il y en a un qui s'en souvient pas. finalement, puis qui commence à être tout dire. Un, un, un chum, c'est un chum. <laughs> <laughs> Savez-vous c'est quoi la mafia On oh, le sait pas. On oh, le sait pas. Ça <laughs> me rappelle pas. <laughs> c'est quoi ça 100 000. C'est triste tout ça. On aimerait aussi, euh, parce que je suis encore dans le segment des remerciements, on aimerait aussi remercier Clickpom pour euh, certains de nos équipements et Telestream pour euh, le Wirecast. Donc, euh, voilà, et on va vous euh, répéter leurs noms pour qu'on euh, vous les imprime dans la tête et que vous encouragiez euh, l'industrie locale, en fait. Voilà. Sauf pour Wire euh, Wirecast. Mais il n'y en a pas d'autres. Bon. Euh, tu peux continuer avec... Euh, J'ai terminé mon segment. Je peux tu, continuer. Peux, tu peux continuer? Okay. Il va falloir que je trouve d'autres choses si je peux continuer. Oui. On n'a pas parlé de OS X 10.10? Non. Avant d'aller à OS X, par exemple, il y a des rumeurs comme quoi le l'iPhone sortirait aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est impossible. Apple va le sortir au mois de octobre prochain. Exactement. On a eu au courant de l'année une rumeur comme quoi le prochain téléphone serait 100$ de plus. Et là, tout le monde s'est emballé. Sauf que je me suis dit. Je me suis dit, ok, ils vendent 100 dollars de plus. Ils viennent de s'acheter Beats. Euh, ils vont probablement présenter. Euh, présenter jo Jonathan Levine euh, aujourd'hui qui va faire ouais, son entrée. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils vont se faire présenter sur la scène. La conférence ça. va probablement commencer comme ça. Ils font Et... toujours une mise à jour financière au début. Exactement. Ils vont présenter le Dr. Dream. Pis, euh... ben, en fait, Jonathan Levine qui va probablement rentrer chez Apple pour négocier euh, ce qui va devenir la plateforme de diffusion mm -hmm. de streaming de Apple, c'est probablement une des raisons pour lesquelles ils ont acheté... Euh, ils ont acheté Beats et probablement Dr. Dre qui va, j'imagine, s'occuper de l'infirmerie ou à Copper Kino. Vas-tu nous faire un rap sur la scène en finissant Je ne sais pas, peut-être. Habituellement, c'est pas ça. C'est toujours un numéro musical. Oui, mais habituellement, c'est un. En tout cas. Il va faire un numéro avec Coldplay. Oui, c'est ça. C'est la photo que je vous ai Radiohead. Oui, c'est ça, la photo que je vous ai dit tantôt, parce que moi, je continue à checker ces messages de iTunes deviendrait rouge maintenant. Il n'est plus bleu. Comme sur. À l'image de l'icône qu'on a sur l'iPhone avec iOS, c'est oui. une note de musique rouge. Oui. Fait que euh, l'icône d'iTunes est rendue rouge maintenant, elle n'est plus bleue. Okay. J'en discutais avec, euh, avec des, des, des gens dernièrement. Si Apple, si si iTunes en fait euh, couchait avec Netflix, ça Merci. donnerait le prochain iTunes oui. pour on, on va faire un estimé là. Euh, il y a 400 millions, je pense, d'utilisateurs qui ont une carte de crédit enregistrée sur iTunes et qui consomment euh, télé, films, tout ça. Ouais. Ils font une moyenne des utilisateurs. Euh, ils regardent combien ils l'ont fait avec iTunes Match. Mm -hmm. okay. Ils regardent la moyenne des utilisateurs, combien ils dépensent par mois. Ils se disent, nous, si on change le modèle d'affaires ou si on offre un nouveau modèle d'affaires de streaming de tout notre contenu, euh, parce qu'on a réussi à signer avec les studios. Euh, on charge 15 pièces par mois, puis tu peux consommer tout ce qu'on a sur iTunes en streaming euh, quand tu veux. D'abord, est-ce que c'est un service auquel euh, vous vous souscririez euh, Dans un dans, ça se dit-tu Souscri... Accès à tout le catalogue, ça m'étonnerait que ça la l'arrive. Okay. Accès à une partie du catalogue disponible en streaming, probablement. On regarde ce que Amazon fait aux États-Unis. C'est similaire à ce que tu expliques. Okay. Quand tu es abonné à Amazon Prime, tu as une sélection du catalogue de vidéos que tu peux écouter en streaming. Okay. Mais le reste, tu peux l'acheter. Donc, tu peux avoir des fois des émissions de télé que tu as deux saisons disponibles en streaming. Mais ah, il y a les 16 saisons de l'émission, mais les comme les 14 premières, tu peux les acheter à 1,99 chaque. Ah, ok, c'est comme ça qui fonctionne. C'est ça, parce que ça, ça serait impossible qu'une compagnie donne, les, que quelqu'un ait les droits là, pour tout, euh, surtout dans le, ce qui se passe actuellement là, dans le domaine là, du streaming. Là. Ça m'étonnerait vraiment qu'Apple réussisse à avoir les droits pour tout le contenu qu'il y a sur euh, okay. l'iTunes Store. Il y, y a des médias... On, on pense que les émissions à CBS sont disponibles sur l'iTunes Store à l'achat, mais les émissions de CBS ne sont pas streamées nulle part sur Internet, ne sont pas sur Hulu, ne sont pas sur Netflix. Donc non, ça m'étonnerait qu qu'ils qu acceptent qu'Apple les offre en streaming, quand, quand on sait qu'eux contrôlent là, vraiment leur, euh, le, la diffusion de leurs émissions. La même chose avec Disney, les films ne sont pas disponibles en streaming nulle part, il y a juste les anciens films, les anciens films d'avant les années 90. Hmm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est un service auquel tu aimerais participer, JF? De quoi là? Un, un service ah, de streaming. Gros gros. Un service de streaming iTunes euh, de tout le contenu ou d'une grande partie du catalogue. Oui. Oui, c'est oui. quelque chose. Oui, euh, oui. moi j'aimerais. Google ça. Play aussi qui a commencé au Canada, un genre de service du genre. Là. Ben Google Play, c'est plus un, c est, c est, c est un Google locker le ouais. euh, Google Music. Google Music, que j'utilise encore, que je, que, qu va, que je vais arrêter demain parce que sinon, euh, ils vont me charger. Oh. Euh, ça fonctionne très bien. Hein. C'est comme. As la, as la, hey, ils ont à peu près 25 millions de chansons. Là. Je sais qu'on est pour Apple, là, mais mm -hmm. ils ont 25 millions de chansons. Là, ça fonctionne très bien. Là. Excellent. C puis ça stream sur Apple TV numéro un. Puis euh, ça va super. J'aime bien ça. Si, si Apple annonce pas le iTunes Radio aujourd'hui, pour le Canada. Pour le Canada, je, vais, garder, je vais payer pour euh, Google Play. C'est combien, tu me dis C'est plus que 10$ par mois, je pense. 7$. 8$. 8$, OK. 8$ par, par mois. OK. Mais là, avec, euh, avec Apple, euh, si tu as iTunes Match, il est gratuit, tu n'as pas ouais, de pub. Gratuit. Mais si tu n'as pas iTunes Match, il est gratuit, mais tu as de la pub. Comme Pandora. Finalement. Comme Pandora, exactement. Ouais. Fait que, euh, mmh. On vous rappelle que vous pouvez euh, engager la conversation avec nous soit sur euh, la page de diffusion. Qui est le macquebec.com/slash en-direct? Donc en direct. Euh, vous pouvez aussi euh, utiliser le, le hashtag PodMQ sur, euh, sur Twitter pour nous poser des, euh, des, des, des questions. On parlait d'un système de fichiers tout à l'heure euh, pour euh, iOS euh, et il euh, y a déjà des gens qui nous ont dit qu'ils semblaient intéressés mm -hmm. à quelque chose de. de ben, c'est vraiment là, la... c'est ce qui manque là, parce que si je pense à. Euh... J'édite une photo, puis j'ai comme six applications qui ont chacun une fonctionnalité super précise pour éditer la photo, mais je suis obligé de la sauvegarder à chaque fois. Puis là, j'ai six versions de la photo différentes là, qui passées dans chaque application. Ce serait pas mal plus logique de pouvoir aller dans mon système de fichiers, j'ai ma photo que j'accède, que je sauvegarde la même à chaque fois, puis que j'accède la version modifiée dans chaque application. Là. Juste un exemple là, comme ça. Exactement, euh, oui, oui, effectivement. Euh les, les, les gens qui font de la photographie sur mmh. iPhone euh, apprécieraient beaucoup. On quelque avait reçu quelqu'un, justement, mon podcast, qui nous avait parlé là, du même, euh, du même du, de ce problème-là. Exactement. Mmh. Euh, dans les autres choses dont on peut peut-être s'attendre ou qu'on aimerait voir arriver dans iOS 8, il euh, y a, euh, je ne sais pas si vous avez rencontré le problème, peut-être toi, Bernard, qui a deux appareils iOS, euh, mais euh, peut-être d'ouvrir un peu plus que 5 gigs sur iCloud. C'est-à-dire de mettre de l'illimité euh, dans, dans iCloud. Il y a des gens qui s'attendent à ce que iCloud devienne payant. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'Apple va aller vers l'illimité. Le 5GB va rester gratuit. Oui. Oui, ouais, effectivement, quand tu fais tes backups, tu fais euh, toutes tes, tes musiques, tes photos, tout ça, là, ça devient un petit peu limité quand tu as plus qu'un appareil. Puis, effectivement, ça un petit peu serré. En avoir plus, ça serait... Ça pas de refus. Je, pense, je pense que Apple devrait donner l'équivalent dans le cloud à ce que ton appareil contient. Tu achètes un iPad 128, chunk, ça rajoute 128 à ton, à ton iCloud. Tu achètes un iPhone 16 gb sur le même Apple ID. À ce moment-là, ça rajoute 16 gb sur ton Apple ID. Je trouve que ce, ce serait intéressant parce que ton backup, ton backup serait fait euh, de cette, euh, cette grosseur-là. Euh, Puis il y, y a beaucoup de gens qui nous appellent et ils disent hey, Je ne peux plus faire de mise à jour de mon système d'exploitation. Ça me dit que mon iCloud est plein. Euh, Puis là, il a, a dit j'ai rien dans mon téléphone. Puis là, tu vas voir. Puis c'est le backup qui prend tout l'espace euh, dans les nuages. Euh, on a parlé un, un, un petit peu euh, un, une communication inter-application, une espèce de, de, de finder. Mm -hmm. euh, ça serait intéressant. Euh, des notifications et des pushes euh, euh, interactifs, c'est-à-dire qu'en euh, ce, mom ce moment, d'abord, on a ça dans OSX. Quand on a une notification qui apparaît, on peut y répondre directement dans le petit, euh, dans le, le petit rectangle de notification. Sur, euh, sur iOS, il faut appuyer dessus, on se retrouve dans l'application et là, on peut répondre. Mais ce serait agréable de pouvoir répondre directement. Dans ce rectangle-là, sans perdre ce qu'on est en train de faire. Euh, donc, ça, c'est quelque chose dont, dont on s'attendait à avoir avec iOS 7. Mm -hmm. Ils n'ont pas réussi à travailler là-dessus, donc on devrait le voir aujourd'hui. Ça fait euh, longtemps qu'on parle de widgets aussi pour, euh, le, pour iOS. On avait entendu parler pour iOS 6. On avait entendu parler l'année passée pour iOS 7. On en entend encore parler pour iOS 8. Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose là, qui marcherait, hein, comme un widget là, qui prend peut-être l'espace de quatre icônes sur. Je ne sais pas si tu as screen. vu la même vidéo que moi cette semaine. Il y, mm -hmm. euh, y, y a un designer qui a fait une un vidéo. Mm -hmm. ça, euh, ça va être la même chose. Oui. Et c'était vraiment intéressant parce que tu pouvais avoir une espèce de quick look. Tu arrivais sur ton application, par exemple, de Weather, tu euh, pinchais. Donc, euh, le, le, je sais pas c'est quoi le. le le, le verbe en français, mais euh, t'éloignais tes doigts l'un de l'autre à partir du centre de l'application. Et là, elle grossissait et tu pouvais la refermer, mais en la grossissant, l'application, qui devenait une fenêtre un petit peu plus grosse, te donnait plus d'informations. Euh, donc, euh, tu avais peut-être euh, le nombre de degrés qu'il va faire, mais quand tu l'ouvrais, ou tu avais les possibilités de pluie, tu avais euh, euh, les, les, ce qu'il allait faire plus tard dans la journée. Euh, et si tu le laissais ouvert, ben là, 4 il tassait 4 icônes et il prenait la place de de Caticonne. Ça, c'était vraiment, c'est un très très beau vidéo. Puis il y a plusieurs applications qui étaient compatibles euh, avec ça. Moi, j'ai bien aimé euh, cette présentation là. Euh, J'essaye rapidement de retrouver euh, le, le, le gars qui avait fait ça. Euh, si je... On en avait parlé au dernier podcast, je, je ouais, crois. Ouais. Alors, moi, je vois sur euh, Gizmodo déjà qu'on annonce un événement qui durerait deux heures. OK, il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock. Quand même. Donc, il euh, y a des gens qui nous Mais demandent déjà, au niveau je... du hardware. Moi, on, 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 on L'année passée, on pas avait euh... annoncé des MacBook Air, une mise à jour mineure mmh. de MacBook Air. Puis le Mac Pro à la fin. Un preview, c'était juste une un vidéo. Il n'y pas parlé plus. Ouais. Non, c'est ça. Puis l'annonce était assez, euh, je te jette par ouais, terre. Ouais, c'était assez. Ouais, ouais. C'était de la guitare, c'était on va te torcher, puis euh, tout ça. Il mm -hmm. euh, ben, y a une, déjà une grosse mise au point à faire au début là, avec l'acquisition de Beats. Oui. Les gens là, vont vouloir avoir comme euh, Qu'est-ce qui va se passer ouais, avec ça? ça Ils vont savoir pourquoi, puis le vrai pourquoi. C'est sûr qu'on a eu un press release, une, un communiqué de presse juste du beau, mais On va avoir la même chose, mais peut-être plus en détail. Euh, je voulais revenir à ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Euh, depuis la sortie du iPod en 2001, si je me trompe pas, mm -hmm. euh, les écouteurs blancs sont, euh, on, on les reconnaît, on, on, on les voit. C'était les écouteurs cool à ça. une époque. Mm -hmm. Là, les écouteurs cool, faut le dire. Puis je parle pas de la qualité du son. Là, on, ça, on pourrait avoir un débat. Un débat là-dessus, mais les écouteurs cool actuellement, ce sont les, euh, les, les Beats. Pour les gens qui aiment la musique, on peut acheter complètement autre chose, mais au niveau du look, ils ont réussi à vendre des écouteurs à 300 à mm -hmm. la jeunesse, qui, euh, qui, qui est un public en fait que Samsung et les autres compétiteurs d'Apple ont, euh, ont réussi à ringardiser à Apple, à, à rendre Apple vieillot. Euh, aux yeux de cette, euh, cette euh, euh, démographie-là. Donc, Apple pourrait avoir acheté Beats et pourrait vendre son téléphone 100 de plus s'il rajoute une paire d'écouteurs euh, Beats avec. Donc, on imagine, tu achètes, euh, c'est une, une, une boîte qui va être pas mal plus grosse, mais tu achètes ton nouveau iPhone et les écouteurs qui viennent avec sont des écouteurs Beats euh, audio. Ça pourrait être un bon bundle, puis euh, ça pourrait être intéressant, là à ce moment-là, de le faire je, comme ça. Je ne suis pas sûr qu'Apple va intégrer ces deux lignes de produits-là. Je ne suis pas sûr là, que ça va être des écouteurs. À... La marque Beats va rester. C'est trop rester reconnu. Va rester Beats, oui. Mais ça va peut-être être... Peut-être peut Apple va... Ça, ça va rester là, des, petits, des petits écouteurs. Okay. Je suis rentré dans les oreilles, mais peut-être que ça va être des écouteurs avec la technologie -Beats. Beats intégrée. OK. C'est vrai qu'on sait qu'Apple va garder ces deux entités-là mm -hmm. séparées, ce qui est un peu spécial. Euh, ils le font avec FileMaker. FileMaker est une compagnie oui, qui appartient à Apple, ça. mais qui n'est pas sous l'égide d'Apple. Ils font leur propre truc, mm -hmm. ils les laissent faire. Euh, C'est sûr qu'ils se parlent, mais ce serait la première fois qu'au niveau de la construction, euh, la fabrication d'un produit comme ça, Apple a une compagnie à gérer qui n'est pas la sienne, auquel il faut qu'ils laissent euh, le, 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 le contrôle artistique, tout ça. Donc, ça va être spécial de voir ça dans les prochains mois, les prochaines années. Je voudrais rappeler, euh, aujourd'hui, le mot clic qu'on a choisi, c'est PodMQ. Si vous voulez communiquer avec moi, euh, ben avec nous aussi, oui. là, euh, sur Twitter, euh, sur Facebook aussi, euh, vous avez le chat qui est intégré euh, dans notre page en direct. Et vous avez le live blog que j'ai commencé à mettre une couple de choses dessus. Excellent. C'est euh, pour ça que vous ne m'entendez pas beaucoup. Par comme euh, 4-5 plaintes à faire. <rire> Excellent. <rire> au niveau. Comme moi aussi, avec les caméras <laughs> et tout. Ça manque <laughs> un on, petit peu, on, peu plus de juillet télé. Oui, parce que là, on vous manque un peu de temps en temps. Ça. <laughs> euh, au niveau d'IOS 8 aussi, on parle d'un control center euh, paramétrable. Euh, donc, on pourrait aller changer des icônes qu'on utilise moins. Par exemple, moi, l'icône euh, mode avion, je l'utilise pratiquement jamais. Ouais, je pourrais bien. le remplacer par l'icône, le, le, par exemple, euh, euh, partage de connexion. <laughs> ça, je ne sais pas. Moi, ça me paraît presque évident que ça va être inclus là, dans iOS OK. Euh, un airdrop unifié, c'est-à-dire partage de photos entre OS X... Et, euh, et euh, iOS. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, on s'y attendait l'année passée. On a vu Airdrop arriver sur les terminaux iOS, ouais, mais euh, c'est seulement entre appareils iOS. J'ai une question. Oui. Est-ce que vous en servez? Non. Non. <laughs> <Ou> non plus. <laughs> si j'ai une fiche à envoyer, je l'envoie par e-mail. Je trouve Ou par ça... message. ouais Mais il faut, 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 faut penser que, effectivement, par message, faut penser que ça ne s'adresse pas nécessairement à nous. Les, les plus jeunes vont. Catcher tout de suite cette technologie-là, puis ils vont l'utiliser. Donc, euh, okay. c'est peut-être euh, peut pas pour nous. Oui. Euh, Est-ce qu'il vous arrive d'installer des applications, puis de vous faire chier avec euh, cette application voudrait prendre contrôle de votre micro, cette application voudrait avoir oui. accès à vos contacts, cette application aimerait utiliser votre caméra vidéo, cette application aimerait. Euh, activer, euh, euh, bon, puis là, on a, puis c'est des, des notifications, mm -hmm. donc euh, une. une quand on installe une application et qui a nous demander ça, il y a des gens qui pensent que ce serait bien qu'il y ait une feuille complète qui apparaisse pour la ouais, demande de, de permission. Quelque chose. Puis là, on peut dire oui, non, non, oui, non. On avait ah, ce problème-là avec les emails. Avant, il y avait juste une façon de faire afficher les notifications. Puis les emails apparaissaient ou les messages texte apparaissaient dans ton écran en pleine face. Mm -hmm. Là, ils ont changé ça avec le petit bandeau là, dans le haut quand tu es dans une autre application. Là, tu as le choix. Là, tu peux mettre soit une alerte ou le bandeau. C'est. Il faudrait que ce soit quelque chose comme ça qui se passe avec euh, la, la, les, euh, les options de confidentialité parce que c'est vraiment fatiguant. Un pop-up qui apparaît un en arrière de l'autre. Il y en a des applications là, qui prennent la localisation, le micro, la caméra, puis qui te le demandent là, tout. Là. Effectivement. Finalement, en fait, dans la liste euh, que j'ai trouvée sur euh, le site iMore.com que je vous invite à visiter, euh, une des fonctionnalités, puis euh, comment ça, ce pas là Print to PDF. Donc, il, si on a une imprimante. Oh, tu peux le partir. OK. Il est, il est live. Si peux, on tu a. Tu peux a... le fermer plus, je sais pas. <laughs> non, non, on va le mettre. Non, non, on, on va laisser là. c'est correct. On... Veux-tu mettre la caméra pour euh, celle-là? C'est déjà fait. OK, gars, on ne voit presque pas, Jean-Michel. OK, ouais, c'est correct. Euh, c'est pour nous autres. Mets les screen, Alexis. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Non, le son, on n'a pas besoin. Tiens. Et voilà. Tiens. Où est-ce qu'on peut écouter la présentation? Bien Derrière bien. moi. Tu diras ses élèves, <laughs> par exemple, parce que <laughs> là, on n'aura pas alors. de solution pour toi. Voilà. Donc, euh, le stream a commencé au Moscone. Merci, euh, Go GoAbsGo. Euh, puis, allô, Fred Lavoie. Je, Je suis le, le, Bonjour le, à tous. le, le chat. Re Bonjour à tous. Euh, on va prendre encore quelques minutes. Il euh, y, euh, y a des rumeurs pour OS 10.10 .10 qui est censé être le. le la grosse réflexion de cette année. L'année passée, mm -hmm. ils ont mis beaucoup, beaucoup de ressources sur iOS 7. C'est pour ça que tu dis qu'il y a peut-être moins de choses qui vont changer cette année sur iOS 8. Mais là, euh, ils ont remis les gens sur 10.10 euh, .10 parce que... C'est drôle, on dit qu'il y a moins de choses qui vont changer. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. On en parle, qu on en hein, parle quand même. <laughs> fait que on, bon, on en a jusqu'à 3 heures pour 10.10. Il n'y a pas beaucoup de fuites qui est sorties sur 10.10. C'est ça qui est, est bizarre. Mm -hmm. Parce que s'ils disent qu'ils vont, ils vont, ils vont en parler plus, il n'y a pas beaucoup de fuites. Les fuites ont commencé à, à sortir hier. Oui, oui, C'est oui, effectivement. Ben, Il y, 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 y a 300 millions d'appareils iOS. Il n'y a pas 300 millions de Mac. L'intérêt du grand public, oui. là, du Monsieur, Madame, tout le monde, c'est plus ce qui va se passer avec euh, le iPhone et le iPad. Oui, effectivement. Euh, donc, tu nous parles un peu de OS 10.10 Yosemite. Oui, possiblement. Euh, le, donc, Comme on disait, là, comme on a glissé un mot là, tout à l'heure, le, le design, là, ce serait vraiment un changement radical qui serait plus à la iOS 7 et puis à la Apple là, du, du, des derniers 12 mois là, finalement donc un, un design plat euh, vraiment euh, comme des éléments là, de transparence là. beaucoup ce serait vraiment le gros changement là, vraiment évident donc le nom ce serait possiblement euh, Yosemite avec la photo qu'on a vu euh, la banderole là, qui est installée c'est dommage qu'il n'y ait pas d'endroit euh, épique en Californie qui s'appelle Liquid Metal moi j'aurais aimé 10.10 .10 Liquid Metal bon ça y est il recommence <laughs> <laughs> Dernier podcast, si vous l'avez écouté là <laughs> ouais. J'ai dit souvent les quid medal mais c'est plus, je me dis que c'est comme Candyman, si tu le répètes, il va finir par arriver, tu sais. Ouais. Euh, c'est ça. Continue. Ben ça. Mais il y a, a vraiment, comme on dit, il y a vraiment rien. Là. Donc si je regarde la page, le site MacRumors.com qui fait un round-up des rumeurs pour chaque, euh, chaque euh, nouveautés d'Apple, donc uh, iOS, OS X, puis tous les appareils. Il y a ça, là, il y a l'interface avec le design plat à la iOS 7, un peu. Il y a les rumeurs pour le nom, puis on voit uh, uh, l'activité dans les uh, navigateurs Internet là, qui a augmenté, là, qu que Apple qui sera en train de tester à plus grande échelle un peu uh, OS X 10.10. C'est dur à dire en plus. 10.10, .10, effectivement. Ouais, hein? 6 10.10. .10. Les, les gens trouvent un peu euh, ridicule, d'ailleurs. Euh, J'ai lu à quelques endroits, là, les, les gens riaient du fait que ça s'appelle 10.10. Pourquoi, euh, tant qu'à ça, ne pas aller à 11? Euh, ben, à 11, ce serait carrément un changement de, 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 de paradigme, mais on reste avec les, les mêmes bases. C'est ça. Ça dérange pas d'être à 10.10. L'année prochaine, pas. ça va être 10.11, puis c'est tout. Hein? Mm. Ouais. Donc, euh, voilà. Moi, je vais, je vais enlever mes écouteurs de la console. Je vais écouter euh, le son de qu ce qui se passe là-bas. Euh, ah, pas de problème. Il ne nous entendra pas parler, c'est ça? Ben oui, je vous entends parler. Okay. Okay, J'ai un oreille ouvert là. Puis qui est là sur, euh, <laughs> Il nous entend parler. On est avec lui dans la même salle. <laughs> ça l'aide. Il euh, faut dire en fait que 10.9, 10 euh, pour Monsieur, et Mme, tout le monde était correct. Il euh, y a quand même des certaines aberrations euh, à certains endroits, des, des trucs qu'on se demande, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi ce n'est pas mieux, euh, mieux peaufiné, mieux terminé. Euh, et il y a quand même beaucoup de problèmes avec 10.9 euh, dans un déploiement, par exemple, dans une entreprise. Euh, on rencontre des bugs, euh, la stabilité de serveur n'est pas, pas au rendez-vous. Donc, on espère que 10.10... Euh, .10, va euh, ramener un petit peu euh, ces points-là. Mais euh, est-ce que tu es déçu, toi, qui travailles là-dedans, je veux dire, avec J's... des serveurs et ces affaires-là? Je ne suis pas, pas, pas déçu parce que c'est pas... Euh, moi, je suis plus euh, niveau 1, donc je m'occupe okay. des desktops. Mais euh, si, on avait, euh, si on avait ici Richard Charbonneau, euh, euh, qui est mon patron, qui, lui, en, en, en déploie, euh, lui, il a passé une mauvaise année avec 10.9 et il a un peu sacré contre le système d'opération. Le, le meilleur serveur encore, c'est 10.6. Euh, ben, en... ça, ça dépend parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de features de 10.6 qui sont disparues mm -hmm. par la suite, mais euh, en même temps, ce sont les moins utilisés, souvent que Apple euh, décide d'enlever. Il euh, y a souvent des programmes qui vont faire un meilleur travail que ça. Euh, par exemple, bon, on peut encore paramétrer un VPN, mm -hmm. mais euh, sur un serveur, on, en fait, c'est mieux d'avoir un VPN directement dans ton routeur ou d'avoir une application spécialisée pour le faire que de le paramétrer mm -hmm. directement dans, dans, dans ton serveur. Euh, dernièrement, dans 10.9, ce qui est intéressant, c'est le Profile Manager. Euh, on, on, a, on a parlé dans le podcast assez souvent de MDM, de Mobile Device Management, mais on peut le faire autant avec les téléphones qu'avec les ordinateurs. Donc, tu es capable d'envoyer des, des, des politiques de gestion à partir du Profile Management et de gérer euh, ces appareils-là, donc de lancer des effacements à distance pour un administrateur système et non pas avoir une liste ça, de longue de trucs iCloud, puis là, OK, euh, c'est Ginette qui a perdu son téléphone, je vais rentrer dans son iCloud. Okay. Donc, euh, c'est beaucoup plus intéressant de gérer un, un parc informatique de cette façon-là. Euh, sinon, dans ta liste de de, dans ta liste de, de, de rumeurs, tu avais fait un peu le, le tour, en fait. Oui, c'est ça. On parle. A... Qu'est-ce qui reste à couvrir, Le Monde? Le Mac mini, ça fait longtemps qu'il n'a pas été mis à jour. 400 quelques jours et plus quand même, ça, ça fait ça. un an et quelques. Oui. Là, ça se pourrait qu'on voie une annonce le mineur, comme ils ont fait pour le MacBook Air l'année passée. Donc le Mac mini qui se remet un peu au niveau des autres produits Apple, avec euh, le processeur Aswell, la carte vidéo euh, Intel Iris, et puis euh, le Wi-Fi 802.11 AC. Mais pas vraiment d'autres changements là, majeurs là, à ce niveau-là. Si on le rapetissait, est-ce que ça serait considéré comme un changement majeur? Si, par exemple, cet appareil-là devenait aussi gros qu'un qu Apple TV ou qu'une borne AirPort Express actuelle? Je pense, je, ça m'étonnerait qu'il qu annonce ça. Que ce soit plus petit que ouais. ça. Mm -hmm. OK. Excellent. Euh, moi, j'aimerais bien, euh, puis on, on, on le demande depuis quelques années, un Mac Mini Pro. Euh, mmh, avec pourrait... une carte vidéo, là. A de la Leur, pas une mmh. D700 ou une D500, mais quelque chose qui est capable de, de, de gérer un peu, ce serait une excellente machine à brancher sur une télévision. Quoique Apple hypothèquerait euh, un peu le, le marché, euh, euh, le marché du Apple TV, qui est l'espèce de cerveau qu'ils vendent pour mettre sur une télévision. Mmh. Quelque chose de nouveau au niveau du Apple TV, tu penses ça fait longtemps aussi que ça n'a pas été mis à jour. C'est quoi la dernière mise à jour qu'on a vue avec l'Apple TV euh... Euh, Hardware, c'est le Apple TV troisième génération. Sinon, software, il, il, aurait... il rajoute de temps ouais, en ça temps, ça temps ça des, 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 canaux, des canaux. Des canaux, c'est tout. Mm -hmm. de... Est-ce qu'on pourrait avoir une intégration du 802.11 AC Oui, ce serait ce qu'il y a de plus évident, là, vraiment. On entend parler, ça fait quand même assez longtemps, là, de l'intégration possible de plateformes de jeux vidéo ou bien de plateformes d'applications externes, un genre d'App Store pour Apple TV, ou même d'un OS euh, des ex exclusif au Apple TV, là, Apple avec, TV OS. Avec un, avec un App Store dedans, qu'on peut télécharger des applications, mm -hmm. des canaux, des jeux. Est-ce que l'Apple TV actuelle est assez puissant pour faire rouler ça? C'est sûr qu'Apple, c'est va dire non. D'après ça. ça va prendre le Apple TV, le nouveau Apple TV qui va être compatible avec tout ça. Est-ce que, est -ce que le, le wow factor d'un nouveau Apple TV, ce serait l'intégration de Siri dedans, par exemple, qui nous permettrait de contrôler notre télévision par la mmh. voix ben, Un peu à ce qu avec à, ce qu'Amazon a fait, là, qui a une, un micro dans la télécommande, là, oui. qui euh, s'enfile sans fil par euh, radiofréquence. Qu'on parle, puis on peut faire une recherche vocale. Amazon l'a déjà faite, ça a été reçu plus ou moins bien, à cause qu'apparemment la reconnaissance vocale n'était pas fameuse. Mais Apple a Apple du pourrait, bagage. Ouais, pourrait intégrer, la intégrer vraiment Siri, puis intégrer au Apple TV les contacts, le calendrier, pr la prise de notes, puis tout ça, tout ce que Siri peut faire là, sur l'iPhone. Ce serait intéressant, mais la Apple TV, ça reste quand même euh, un appareil secondaire. Là, sur la TV, il n'y a personne qui utilise juste son Apple TV sur la télé, du moins pas au Canada parce qu'on n'a pas les services là, pour faire ça. Si on rajoutait, par exemple, un deuxième port HDMI, comme je l'ai répété souvent, un peu à l'exemple de ce qu'on a sur Xbox 360, qui permet de brancher ton PVR et ton, ton câble et de rendre intelligent euh, ton, ton câble, moi, moi, je donc, vois quelque que chose. Avec... Apple TV, ce serait comme un layer supplémentaire par-dessus est-ce que ton, oui. ta, ton, ta, ta boîte Vidéotron, ton terminal. On a entendu des rumeurs comme quoi Apple est en train, il y a, quel... il y a quelques mois de ça, il n'y a rien qui a découlé de ça, mais euh, Apple aurait euh, utilisé en fait les, les, euh, les compagnies de télécommunications canadiennes pour faire des tests à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, il est en discussion avec Rogers, avec, euh, je ne sais pas pour Vidéotron, mais avec Chat. Euh, donc. Moi, je m'imaginais quelque chose, par exemple, un, une espèce de AVO Apple TV Pro qui est un, un, qui a une caméra dedans euh, qu'on installe peut-être plus sur le dessus de la télé, qui nous permet de FaceTimer, de transformer notre télévision en unité FaceTime. Mm -hmm. Quand je passe devant ma télévision le matin euh, en sortant de la chambre, il voit que je suis là. Je l'ai programmé moi-même pour lui dire, je veux que tu me donnes tel type d'information, tel type d'information. Donc, en me détectant... Euh, Hello, Master. Euh, Aujourd'hui, la température est de temps. Vos actions de Nortel sont euh, au tapis. et euh, 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 Dépêchez-vous pour votre douche parce que vous êtes attendu au bureau à 8h30 et avec le trafic, mm -hmm. euh, ça va prendre un peu de temps. Une espèce d'hybride dans ce que Google Now fait, mais euh, c'est la télévision qui le ferait et nous, on peut contrôler la télévision avec le, le poste. Merci, Siri. Mets-moi ça à Radio-Canada. Je vais écouter Louis mieux par exemple. Euh, donc, euh, ça serait très intéressant. Ça serait chouette, ça. OK, mm -hmm. parfait. Toi, qu'est-ce que tu en penserais d'un truc comme ça? Oui, ça serait super intéressant, effectivement. C'est des technologies, d'après moi, qui sont capables de mettre ensemble et de, de, de faire quelque chose euh, euh, actuellement. Ça ne sort pas, en fait, du domaine du possible d'être en mesure de faire ça. On voit ce type de technologie-là sur différents appareils. Je pense que Apple pourrait réussir à prendre ces technologies-là et les mettre ensemble. La conférence commence dans une minute. Est-ce que tu peux nous dire Même combien moins de gens minute, Moins d'une minute. Ouais. Oui, que cinq secondes. Euh, refresh ta page parce que moi, tu es en retard, toi, là-dessus. Pas de problème. Moi, je suis euh, en avance là-dessus. Euh, combien, oui. combien de gens nous, On nous a 67 personnes en... en ligne présentement avec nous. Ben, on vous remercie de nous avoir choisis pour euh, votre. Euh, votre diffusion euh, de la WWDC, c'est très gentil. Vous pouvez utiliser les médias sociaux pour dire aux gens de se joindre à nous. Euh, vous pouvez venir chatter avec nous sur, euh, sur le site de, euh, de Mac Québec. Et effectivement, ça commence euh, actuellement. Donc, nous, on va continuer à parler. Euh, les nouvelles vont tranquillement, euh, vont tranquillement venir. Si vous avez des questions, n'hésitez euh, surtout pas. On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous vous attendez. De Apple, qu'est-ce que vous attendez de nouveautés dans iOS 8 Qu'est-ce que vous attendez de nouveautés dans 10.10 .10? euh, Quelles sont les, les fonctionnalités du système d'exploitation que euh, vous aimeriez euh, voir et euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous attendez pour euh, qui, qui vous ferait acheter un nouveau produit Apple, par exemple Donc euh, voilà, puis euh, bonne écoute euh, du euh, de la WWDC euh, avec nous. à parler de la conférence. Oui, tout à fait. On est de retour dans un instant. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple, pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 ou Sainte-Catherine Ouest ou au iRepairMTL.com. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast macquébec.com, par Twitter @macquebec, ou sur la boîte vocale au 1 877 561 2357. Merci. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPOM, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. MacQuébec.com. MacQuébec.com. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaire. MacQuébec, le podcast. Pépiton. Ah. Euh, Bernard, qui est le Yves Corbeil du podcast au <laughs> Québec, c'est sa voix qu'on a dans toutes les publicités. À peu près, oui. Merci euh, pour, pour ces, ces publicités. Vous avez pu euh, boire une petite gorgée, vous rafraîchir le gosier. Oui, c'est ça. Excellent. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu entend sur, sur les médias sociaux euh, à partir de ce qui se passe? Je pense que Coldplay euh, joue. Il euh, y a de la musique de Coldplay qui joue en ce moment. Ben, c'est toujours ça. Il y a toujours du Coldplay qui joue juste avant la fin là, de. Juste avant le début, en fait, d'une. Oui, la fin de la période Juste avant le début, là, de la. Ouais. C'est le groupe euh, de Apple. Euh, Est-ce qu'on a des gens qui posent des questions dans le chat? Euh, je vais devoir quitter pour ma reine. De, de... C'est bizarre, c'est la première fois qu'ils commencent avec une pub un iPad. C'est les pubs qui sont sorties récemment, qui sont très, très belles. Euh, D'ailleurs, parlant de pub, il y a. Euh, c'est Mercedes récemment qui a tourné une pub uniquement avec des iPhones et des iPads, si je ne me trompe pas. Il y a une publicité d'un un grand fabricant d'automobiles euh, qui a été faite euh, uniquement avec ça. Puis je pense que c'était des publicités qui étaient dédiées à être diffusées sur euh, Internet. On est beaucoup dans le, dans le chat, c'est intéressant, donc euh, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à y mettre vos commentaires. Euh, euh, ça va nous donner du jus pour euh, raconter des trucs pendant cette période un peu drabe euh, où on nous dit qu'il y a plein de Apple Store qui ont ouvert, ou est-ce qu'ils sont entrés. Bah, c'est pas c'est pas c'est pas, pas intéressant. C'est le fun là, qui, qui, qui prennent de l'expansion comme ça. Parce que moi, moi personnellement, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup plus d'Apple Store, surtout ici au Québec. Mmh. Euh, mais c'est moins. C'est sûr que les, on, on, ce qui est intéressant à analyser puis à commenter, c'est euh, les, euh, les, les, les sorties, les annonces. Les sorties, c'est ça. Voilà. Des belles photos sur euh, le live blog euh, en ce moment euh, que notre ami euh, Jean-François euh, a mis. Un super beau panorama euh, mm -hmm. quand même. Excellent. On vous rappelle, euh, pour ceux qui ne nous écoutent pas habituellement, que nous diffusons le podcast Mac Québec euh, les mardis soirs entre 20 et 22 heures. Euh, C'est un podcast où vous apprenez les euh, dernières nouvelles des deux semaines précédentes à la, diffus la diffusion. Et euh, on parle de nos découvertes aussi. On a souvent des invités. Euh, Geneviève Borne, entre autres, est venu à l'émission. Patrick Gros est venu à l'émission parler d'une application qu'il a, qu a développée lui-même. Euh, on a différentes personnes. Mathieu Marano est venu cette année. Fred Brunel, qui est à San Francisco euh, actuellement, euh, est venu euh, au podcast. Euh, donc, euh, c'est très intéressant. Et on a une section questions-réponses qui s'appelle Les Amateurs de Mac Bonsoir. Puis, on aimerait ça vous inviter parce que si vous avez des questions, on a des réponses, mais on n'a pas beaucoup de questions dernièrement. Donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, vous demande de venir faire un tour. Ou vous pouvez nous les écrire d'avance. Les coordonnées ont été données et on va les rediffuser un petit peu plus loin euh, dans l'émission. C'est encore des pubs là, qui passent dans la diffusion? Euh... Oui. Ils ont, vraiment pas passé, ils ont vraiment passé tout le pub une après l'autre. Mais c'est une campagne qui a été lancée là, quand même récemment, cette campagne-là, cette semaine, là, je pense. Euh, ouais. mm -hmm. Tu parlais de la compagnie de, d'automobile, de, il y a Fred Lavois sur le chat qui dirait que qui dit que c'est Bentley. C'est Bentley, ouais. apparemment. Oui. Quand même, quand même une, une grosse compagnie de voitures, puis ils ont décidé euh, d'utiliser ça. Donc euh, c'est pas mal intéressant. Vous n'aimez pas mes longues questions pleines de pages. Mais oui, on les aime, Fred. On les aime, tes questions. Bon, ça commence. Excellent. Tim Cook est maintenant sur la scène. J'espère qu'il ne semble pas trop rachitique. Je ne supporterai pas la disparition d'un deuxième CEO non, il a pas en trop peu de temps. On a vu des euh, clichés euh, sortir cette semaine euh, euh, lorsque la, la, la confirmation a été faite de l'achat de, de, de Apple qui ont acheté euh, Beats. Et la syntaxe était très mauvaise de cette dernière phrase-là. Mais euh, les photos sont sorties et il y en a deux. Il y en a une où on voit Tim Cook avec un bracelet au poignet et euh, c'est probablement un Fitbit. Quelque chose comme ça. Mais quand même, c'est... Euh, parce que c'est pas Apple qui a pris ces photos-là. C'est une conférence de presse okay. qui a été faite. Ça, ça m'étonnerait qu'il aurait fait cette erreur-là, là, mais quand mais même. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que la deuxième photo qui a été faite dans un autre local qui mmh. est à peu près dans le même, même setup, euh, Tim Cook, semble en fait c'est une position normale mais il semble cacher son poignet, poignet. Ouais. donc euh, ça, ça peut être ça peut être une pause comme, comme n'importe qui ouais, prend peut être qu'il est habitué là, de se tenir comme ça mais quand même avec, avec toutes les rumeurs de iWatch qui a. exactement mm -hmm. donc euh, voilà mais à... moi je pense que ça ne s'appellera pas le iWatch non, mais... non non ils ouais. vont changer le nom ça c'est clair là. High iHealth peut-être peut-être il euh, faut dire cette année, c'est le 25e anniversaire du WWDC, des conférences des développeurs. Excellent. Apple ont donné des cartes euh, iTunes à tous les développeurs qui étaient là, okay. de 25$. Ah, quand même. J'ai hâte qu'ils hein? T'as <laughs> <ping> tu <rire> ouais. <rire> ouais, Je disais <les> <laughs> des commentaires ce matin, il y a des gens qui étaient, qui étaient super surpris qu'ils se fassent donner gratuitement des cartes de 25$, puis un chandail, ils donnent un jacket aussi. Ouais, okay. un petit jacket noir, Mais ouais. tu sais... Ils ont, plus, ils ont quand même payé 1300 pour là, en plus, dire, ça, en plus oui. de leur chambre d'hôtel, en plus de leur billet d'avion, hmm. puis c'est ça. c'est rien, L'an passé, on a envoyé euh, un, un, quelqu'un euh, là-bas. Cette année, on a décidé de ne pas réitérer euh, l'expérience. On, on a décidé de mettre nos énergies un petit peu Il faut dire que ailleurs. le réseau est assez engorgé dans cette salle-là, puis on ça, a eu hein. beaucoup de difficultés à rejoindre notre correspondant, donc on… On s'est dit euh, on prendra plus la chance. Peut-être peut-être qu'on est mieux de laisser faire. Il y a des gens qui s'occupent très bien de faire sortir l'information. D'autant oui. plus qu'on a le feed live euh, cette année. Voilà. c'est pas a... la première année. Je lisais des gens qui disaient Ah, oh, Apple vient d'annoncer parce qu'ils l'ont annoncé il y a une semaine, si je ne me trompe pas, qu'il allait diffuser l'événement. La semaine passée, oui. Exactement. Ça, c'est la première fois qu'ils font, le, la, avertir à l'avance, mais ouais. c'est pas la première fois. Le tout le matin à 9 h. <laughs> oui, c'est ça. Mm -hmm. <laughs> puis là, on arrive puis on est en tabarn... Puis, euh... Mais là, ils l'ont annoncé d'avance, qu'on a pu cuver notre vin euh, puis être en tabarnouche il y a une semaine. Mais euh, ça fait quand même, je pense, c'est la troisième année euh, qu'ils diffusent le WWDC. Mm -hmm. euh, et ils ont diffusé aussi l'événement pour iPhone, mais pas celui pour iPad ou le contraire, je ne me souviens plus exactement. C'est l'un des deux qui a été diffusé. Quand? On a une statistique intéressante qui vient. Il y a 70 des personnes qui sont là présentement, WWDC, qui sont là pour la première fois. Wow. On, pense, on pense au nouveau système d'attribution des places cette année qui a été fait par Loterie. Donc, tout le monde s'inscrivait, oui. puis en sélectionnait un certain nombre. Puis, ces gens-là avaient la chance d'acheter des billets, contrairement à, à la technique Centre Belle qui était utilisée avant, là, un peu de genre de premier arrivé, premier servi. Puis, euh, l'année passée, en fait, c'est que le, le, le système a, a eu des ratés. Euh, on le sait, en fait. Nous, on s'est fait dire. Euh, euh, c'est Vincent qui essayait d'acheter des billets, puis euh, il a écrit une minute et demie après que les billets aient été mis en vente, « J'en ai pas eu, puis il n'y en a plus à vendre. Mm » -hmm. Puis finalement, en fait, c'est que le système avait été euh, mis à mort par, euh, par les gens qui voulaient acheter des billets. Et on a eu un appel plus tard de, de Apple euh, pour euh, qu'il qu achète son billet. On était vraiment fou comme de la marde, comme on dit. Comme tout euh, événement à Apple, ben on commence toujours avec des statistiques. C'est ce qu'on voit présentement là, dans, dans euh, la fenêtre là, en direct. Mm -hmm. On parle qu'il y a 40 millions de copies de Mavericks qui ont été installées au cours de la dernière année puis que c'est le système d'exploitation qui a été le plus installé chez Apple, mais on devrait dire aussi que c'est le seul qui était gratuit. Effectivement. Donc, ça l'a probablement ça. aidé là, à ce que ça soit a aidé vraiment plus, beaucoup. Euh, il y a, il y a même des gens qui ont installé Mavericks et qui ne savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient parce mm -hmm. que plutôt que de décider qu'on allait taper Mavericks, qu'on allait le chercher puis de juste le distribuer par euh, la, la publicité qu'ils mettaient sur le, sur le App Store, euh, Apple a mis un bandeau carrément dans la section mise à jour. Et le bouton ne s'appelait pas « Acheter ou installer », il s'appelait « Mise à jour gratuite ». C'est ça. Donc, la plupart des gens, « Ah, mise à jour gratuite, let's go, je clique là-dessus. » euh, Moi, j'ai euh, 10.8 encore. Ouais. Il y a même une notification une fois par mois qui s'affiche dans le coin. Euh, vous pouvez passer à Mavericks gratuitement, cliquer ici pour installer. Même si tu as caché la mise à jour de, ça. De, de, de Mavericks. Mmh. Et toi, tu ne veux pas le faire à cause de tes non, adaptateurs On va parler <laughs> encore de mes adaptateurs USB qui ne sont pas compatibles un an plus tard. Euh, donc, c'est ça. Et les, les gens qui faisaient la mise à jour ne se rendaient pas compte que certains de leurs applications pouvaient être rendues euh, obsolètes, désuètes euh, à cause de, de l'installation. Euh, si on n'avait pas un backup, ce n'était pas la bonne idée. Euh, moi, je vous l'annonce tout de suite. Euh, un peu comme l'année passée, on va probablement faire l'installation euh, de euh, cette nouvelle plateforme-là. Euh, je ne sais pas pour toi, Jean-François, si on va le, le, le faire aujourd'hui. As-tu un backup de fait euh, pour mettre 10.10 .10 dans ah, ta oui. machine, si on oh, y a... Oui, oui, okay. oui, 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 je Moi, je n'ai fais... pas de backup. Il commence à parler. On va faire 10 .10. ça. Fait que tu vas encore faire ça à frette au restaurant ça tantôt, à frette au restaurant sur une connexion Alexis. Internet okay. Alex je ça chaque année. Euh... Je me mets en danger pour le monde si ça scrappe <laughs> ma machine. Just too bad for me. Mais j'ai une confiance aveugle en Apple. Je ne devrais peut-être pas, mais... Donc, on, on est sur cher. le point d'annoncer le nom officiel de OS X 10.10. Est-ce que c'est Yosemite? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Apple, au courant des dernières semaines, a enregistré plusieurs noms d'endroits. De, de, OS10, Rancho, Cucamonga. Non, c'est pas vrai, c'est juste... <laughs> qu'est-ce que c'est Rancho Cucamonga, qui est la ville où le siège social de Monoprice est installé. Donc, bonjour à Monoprice, ça aurait été drôle. On les salue. <laughs> Ils ont tu dit qu'ils ont acheté Monoprice, tant Peut-être, pour vendre des câbles moins chers, ça m'étonnerait. OSX à mmh. Oxnard. Ce sont des villes... Ce sont euh... des villes... 10 euh... Weed. OSX... C'est une autre ville... Euh... Ah, ça serait pas pire, ça. Mmh. OSX Weed. Mais euh, l'image qui est installée avec le X dessus montre une montagne. C'est le rocher El Capitan du parc national Yosemite. <laughs> en moi, moi j'ai un autre chose. D'abord, celui avant euh, s'appelait Mavericks et on a émis l'hypothèse que Apple déciderait pas de l'appeler selon des noms d'endroits en Californie, mais bien selon des noms de rôles de Tom Cruise. On vient de <laughs> voir qu'ils euh, sont partis de Rancho, ils sont allés à Colorado. Il dit y a eu des rumeurs que ce serait OSX Weed. Oui, c'est ça. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une montagne. On se rappelle que Tom Cruise, dans Mission Impossible 2. Dans Mission Impossible montait une montagne. Donc, ça aurait pu être OSX 10.10 Hunt comme Ethan Hunt, mais c'est Yosemite à cause de la montagne de Yosemite. C'est ça. Donc, félicitations, Lexi, tu as officiellement prédit le nom six mois à l'avance. Je suis vraiment content. Euh, pour ça, si vous êtes content en fait qu'on qu ait prédit le nom de OSX 10.10 six mois à l'avance ou que vous êtes content de la diffusion, il y a des boutons euh, très cachés sur Mac Québec qui vous permettent de faire une donation euh, au podcast. Euh, Est-ce que vous avez l'adresse euh, pas loin euh, de où est -ce que c'est ces boutons-là où ils ont été enlevés? Ils ont été enlevés. On ne l'a pas réintégré ouais. dans la nouvelle page. pour le faire. Bon, ben, on installera euh, sous peu euh, des boutons de donation que vous pourrez utiliser à votre guise. Présente ouais. une vidéo euh, de la prochaine version de Yosemite. OK. Et qu'est-ce qu 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 commence. Okay. Fait que, euh... Donc on Donc, est en Tous vos icônes. Pendant un gros 15 minutes. Voilà. Tous vos icônes sont en train de. de Toutes de les icônes sont en train de changer, mm -hmm. exactement. On voit l'écriture aussi qui est différente mm -hmm. là, dans la barre du Finder. Et oui. puis le design plat qu'on avait vu là, dans les euh, captures d'écran qui sont sorties ce matin. F fait à noter qu'il y a des captures d'écran qui sont sorties ce matin sur uh, macrumors.com uh, qui montraient très bien là, le Finder, puis iTunes, et puis, genre, puis le Control un Center, genre. un peu dans le 10.10. .10, et puis, ils ont été retirés presque aussitôt à la demande de l'auteur qu'ils avaient euh, mis sur uh, Reddit avant. Qui est en train de perdre sa job. Oui, c'est ça. <laughs> Probablement. Donc, on voit ici là, ce qui semble être le centre de notification là, qui est vraiment là à la... Qui ressemble vraiment à iOS. Ce que j'ai hâte de voir, c'est si le Control Center va être intégré. aussi, on le voyait là, dans les. Je pense euh, qu'on l'a vu brièvement. Matin, on, est ouais. passé, euh, mm -hmm. on est passé dans, dans ça. Control Center euh, qui permet de, de fermer ou d'ouvrir certains trucs, mais c'est pas comme si on n'y avait pas accès. Sauf que le petit bouton Bluetooth, moi, d'en bas, en haut, là, ça me fatigue pour fermer ouais, ou ça. ouvrir euh, mm -hmm. quelque chose. J'aimerais mieux euh, un Control Center. Le Finder qui a, euh, qui a, qui a sur lequel euh, il semble. J'espère qu'il n'y a pas juste des changements esthétiques au Finder. Mais... Oui, j'espère qu'ils ont changé vraiment quelque chose à l'intérieur ouais. parce que sinon. Ça va vraiment... on va... Il va probablement avoir là, des commentaires assez négatifs là, pour le changement de design là, comme il y avait eu avec iOS, avec iOS 7. 7. 7. C'est vraiment quelque chose qu'on s'habitue. Moi, personnellement, je préfère maintenant le design d'iOS 7 là, par rapport au design d'iOS Tout 6. à fait. Une des choses qu'ils ont enlevées, il y a quand même euh, un bon nombre de versions. Oh, on a un chien qui. Euh... On a t entendu un chien Non. Ok. Ah, okay. ah tu trouves Excuse-moi. Euh, une des choses qu'ils ont enlevées, c'est euh, sur le côté mm -hmm. de la barre du Finder, les icônes ne sont plus colorées. Ça donne une meilleure unité. Sauf que c'était un repère visuel qui était très intéressant. Puis beaucoup ça fait de gens... euh, sont son colorés dans 10.8. Ils montent la poubelle. Ils parlent la poubelle. Là, c'est vrai qu'elle est belle. <laughs> oui. Ils ont changé l'icône de la poubelle. La poubelle est magnifique. J'espère. <laughs> Maintenant, Jean-François va on... nous parler de la poubelle pendant 10 minutes. <laughs> on a vu aussi l'icône de iTunes. iTunes euh, rouge. Est-ce oui. que iTunes va encore s'appeler iTunes ou bien ça va s'appeler Music? Hmm. Oh, S'ils mettent la même question. icône que. Ah non, ok, non, c'est encore l'icône rond, par exemple. Mais tu sais, ça aurait été vraiment l'icône carré comme sur iOS, ah, il y a, y a deux modes. Il y a le mode blanc et y a le mode noir. Ah, tu as le choix entre les deux. Ça. Mode noir qui va vraiment comme une yeah. progression avec l'écran surtout sur yeah, le contour est déjà différence, noir. ils sont en, ils switchent de temps en temps c'est intéressant d'écouter sans voix lui hmm. <laughs> ça va être comme sur un gps sur un mode nuit et puis un mode jour donc euh, euh, combien on est actuellement à écouter le, la diffusion 86 ouais. ah, quand même quand même Merci de nous faire euh, confiance. On voit d'ailleurs pas très bien l'écran le, le, derrière nous. C'est pas une télévision ben, qu'on qu un a. C'est voulu un peu, parce que ouais, si ouais, on trop, euh, ben, qu on, ça le ferait dire. Peut-être qu'on arrêterait puis ouais, peut-être peut qu'on qu se retrouverait pense. avec une cagoule noire euh, sur, euh, sur, euh, sur la tête euh, puis on disparaîtrait. L'idéal, c'est qu'il aurait ça. fallu l'avoir en face de nous autres, là, mais je n'aurais pas déplacé Là, J'espère que ce n'est pas juste esthétique, parce que... On peut l'avoir sur nos ordres aussi. Notification. Tout à fait. Notification Center, il y a des améliorations là-dedans? Est-ce que, est que vous l'utilisez beaucoup, le Notification Center? Pas vraiment. Moi, je l'utilise pour répondre aux messages quand, le monde, quand vous m'écrivez sur le message, là, quand il apparaît. Ah, thing. tu le fais puis, je, je oui, le oui, oui, qui, avec là. la notification ouais. qui apparaît, mais pas le Center, l'icône qui est en haut de, de, de l'écran à droite, là, les petites lignes. Oh. Euh, ils l'ont agrandi encore, tu peux encore. Oui, ouais, on voit, il y a deux colonnes. Là, donc, euh, j'imagine, on voit, il y a le calendrier dans une colonne. Puis vraiment, c'est comme comme sur iOS, on a l'écran, oh, là, Today. On peut même puis... intégrer la calculatrice, toi, chose. Hey. Peut-être qu'il va avoir détruit dashboard à ce moment-là, qui, qui, qui est passablement inutilisé oh, là depuis. On euh, pas, là. Non, c'est ça. Ben, dans machine control en fait on. Moi dashboard, dashboard, je m'en sers uniquement pour le widget de euh, comment ça s'appelle, le delivery. Euh, oui, okay. Delivery status, là. il y a un widget qui est intégré avec l'application iOS, donc je peux suivre. Mmh. Là, ça nécessairement. Regardez Spotlight maintenant. Ah, c'est un peu à la recherche Bing sur le ouais. Xbox 360. On dirait qu'il pas <laughs> plein milieu. <là>. Et <laughs> <laughs> hey boy, hein, Bing, euh, hello. Ben, c'est intéressant parce que c'est unifié dans le sens où quand on cherchait dans Spotlight avant, on avait juste comme l'espèce de d'un menu déroulant qui, qui apparaissait en dessous. Si on voulait voir la fenêtre, on devait l'ouvrir. Là, ça apparaît. En fait, c'est un peu comme ce que Alfred ou ce que QuickSilver à l'époque. Euh, offrait là, euh, en termes de, de recherche et ça va peut-être permettre d'enlever l'icône sont déjà rendus au démo ben, fait que euh, esthétique dire, est juste ça. esthétique et euh, non mais ben, elle présente par catégorie d'habitude mais ouais ça c'est c'est sûr que là c'est juste de l'esthétique qu'on a vu à la date là. on a la confirmation aussi qu'on peut ajouter des widgets d'application dans la deuxième colonne là, du euh, notification center donc pour moi dashboard n'existera plus d'ailleurs euh, il y a pas... non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus dans le doc de Dashboard, par exemple. On est supposé avoir de grandes améliorations qui euh, vont être ajoutées à Maps. Ils sont en train de faire une démonstration euh, de Maps. On voit que euh, ça a été changé un, un, un petit peu. Que, par contre, là, on remarque qu'il y a encore la loupe dans le coin en haut de l'écran. Ah, OK. Donc, j'imagine quand on va cliquer là-dessus, ça va apparaître dans le milieu. OK. Donc,. Euh... Moi, j'aimerais mieux, mieux travailler juste avec, par exemple, le raccourci clavier puis enlever mmh, la. Voilà. C'est bien, ils ont, ils ont ajouté Maps au, euh, au calendrier. OK. Si tu mets euh, où il que faut que tu sois, le Maps va apparaître dans ton, dans ton calendrier d'événements. Probablement quand même. En plus gros, mais euh, il l'avait déjà. Ah, si tu rentrais oui. l'adresse d'où se trouvait. Euh, le message a été euh, revampé aussi. Ça, c'est une bonne chose, mais est-ce que, est que le. Le backbone va être revampé. Je ne sais pas. Parce qu'on aimerait ça que ça suive tous nos messages. Oui, oui parce ça, que des ça fois, on n'en reçoit pas. On en reçoit ouais. sur un appareil, mais pas sur les autres. FaceTime, c'est un peu la même chose. Si vos trois appareils sont configurés, vous lancez un appel FaceTime, ils vont rarement sonner les trois messages. Ouais, c'est bien rare. Donc, on voit ici, on voit vraiment qui rouvre un autre volet du centre de notification. Puis là, on voit les euh, widgets là, qui... Euh, qui vont par application, qu'on peut glisser dans le centre de notification principale. Donc, on voit, il y a le widget de ESPN Sports Center qu'on peut sélectionner puis tout faire apparaître. Puis, le centre de notification principale va pouvoir être, on va pouvoir le, il y a un menu déroulant, là, on va pouvoir en avoir plus que la longueur de l'écran. Excellent. Ce qui est intéressant. Donc, on n'est pas limité à un certain nombre, puis les widgets ne sont pas limités à un format spécifique. Reste à voir si les widgets existants vont être compatibles par défaut avec ce mode d'affichage-là. Probablement. Mm -hmm. euh, C'est du codage qui est très, très simple. Donc, okay. euh, à ce moment-là, euh, ils ont juste à dire, ben on les déplace d'endroit, puis euh, tous, les, tous les widgets vont être, euh, vont on être compatibles. On remarque aussi dans le bas de l'écran l'icône de FaceTime qui a changé. On voit la caméra, puis on voit un téléphone aussi. Donc, est-ce que FaceTime Audio va être intégré. Est-ce que FaceTime Audio est déjà intégré? FaceTime Audio intégré dans est dans 10.9.3, depuis okay. 10.9.3. Ouais. Donc, on est capable de faire des FaceTime Audio, mais ils le mettent de l'avant parce que les gens ne sont pas au courant qu'en faisant un, en demandant à Siri de faire un FaceTime Audio, la qualité sonore est meilleure que quand on fait un FaceTime vidéo et même meilleure qu'une conversation téléphonique en autant que la bande passante soit stable euh, d'un bord et de l'autre, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais Assez souvent. Mm -hmm. Nous, moi puis Jean-François, on se parle assez souvent en FaceTime audio et ça, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne bien effectivement. On voit le spotlight là, qui euh, affiche maintenant les résultats comme en deux volets. Je ne sais pas c'est quoi l'utilité de l'autre volet. Qu'est-ce qui fait que... Les résultats s'affichent dans un volet ou l'autre. Est-ce que c'est classé par catégorie ou bien, d'après moi, oui. Ben, il a tapé Numbers, puis il s'est retrouvé avec l'application, ouais. mais il s'est retrouvé aussi avec les documents qui avaient rapport avec l'application. Ah, ah, ben, en fait, OK, oui, mais on voit ici euh, avec euh, une information de contact ou un email. Euh, euh, Spotlight sert de Spotlight, mais sert de Quick Look en même temps. Donc, si on sélectionne un email, il y a un aperçu du email qui va apparaître dans l'autre onglet. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu vas le refaire là, dans la démonstration. Non, il l'a fermé. Ah oui, et on voit ici, il y a ce maître. On voit ici, il y a les résultats dans la colonne à gauche, et puis il y a un aperçu rapide du résultat dans la colonne à droite. Ouais. Donc, c'est intéressant ça. Parce qu'avant, pour avoir le Quick Look, il fallait ouvrir la fenêtre du Finder et appuyer sur la barre d'espace. Donc, on sauve une étape, c'est vraiment, vraiment pratique. Ça. Puis, l'interface est vraiment, euh, est on vraiment voit ici, jolie. On fait date. une recherche pour un restaurant de sushi. Ah, c'est bien. On voit vraiment toutes les informations sans avoir à faire, sans avoir à ouvrir l'application Maps là en plus. Yelp, yelp est là-dedans. Mm -hmm. S'ils si ont intégré un petit peu le look de Bing, ça veut-tu dire qu'ils ont justement intégré Bing? Est-ce qu'ils l'ont pas installé dans le iOS? Il euh, ben, euh, y a moyen de dire que tu veux, euh, par exemple, dans Safari. Il euh, y a moyen de dire que le, dans, dans l'onglet général, moteur de recherche par défaut, on a Google, Yahoo et Bing qui sont là. Euh, personnellement, je ne trouve jamais rien sur Bing. Mais intégré dans Spotlight. Je pense pas, non. Je ne pense, je pense, je pense pas qu'il ait euh, qu fait ça. Mais pourtant. Oh, oh, regardez. iCloud Drive. Oh! Donc, on vient de mettre une hache dans Dropbox <coughs> ou dans Google Drive ouais. dans la mesure où on est capable d'offrir assez d'espace pour concurrencer euh, le service. Ouais, Donc là, on annonce vraiment la première nouvelle fonctionnalité là, de OS X 10.10. Si j'étais vous, euh, par, euh, par le passé, parce qu'on a connu, euh, on a connu euh, Point .Mac, on a même connu un peu le service qui était avant ça, on a connu Mobile Me avec iDisk et on a connu iCloud, Personnellement, je laisserai vos données un petit peu sur, euh, sur Dropbox ou sur Google Drive encore pour tester tranquillement, pas vite. Euh, Mais iCloud ça ne sera pas Drive. lancé, ça va être lancé à l'automne avec les systèmes, ils ont le système Donc, on est en train de développer. Donc, ce que iCloud Drive donne, ça donne vraiment une structure de dossier. Donc, à la Dropbox, c'est ça. Donc, on vient d'avoir la confirmation qu'on va avoir ça sur iOS 8 aussi. Donc, on va avoir notre système de fichiers cloud, Intégrés, cloud. pour euh, iOS 8 vraiment. À la base du système. Et tu as, as accès à tes fichiers iOS et Mac sur les deux versions. Wow, This excellent. Version. Vraiment, vraiment, une bonne fonctionnalité. C'est vraiment quelque chose qui manquait. Si Apple décide de ne pas augmenter la portion gratuite de, 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 de iCloud, au moins ce, ça, ça va donner une motivation pour payer pour plus d'espace. C'est ça. Voilà. Donc là, on commence à parler de mail qui va sûrement avoir des. Euh, les améliorations également dans l'interface. Qui va ça fonctionner reste... avec Gmail. Ça serait <laughs> déjà pas pire. L'interface reste similaire quand même. Tout à fait. On voit. Je profite de ce moment euh, que vous me permettez. Euh, on voit dans la fenêtre de mail ici, juste à côté de Sujet », il y a un menu déroulant. Dans ça, vous avez CCI. CCI, ça veut dire copie conforme invisible. Si vous voulez m'envoyer un, un PowerPoint de chat, Mettez pas toutes vos emails dans A ah, parce que je les reçois, puis je sais, puis je peux le renvoyer. Mettez ça dans Copie conforme invisible. C'est beaucoup plus poli comme façon de fonctionner. C'est un vieux conseil, mais… Euh, C'était le, tout le message d'intérêt public du voilà, jour. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, on voit… Maintenant, on voit Yahoo, oh mais… Non, ils, ils, ils ont parlé de… Euh, parce que là, ils parlaient, puis j'ai manqué l'image. Monte en haut, là. Ça, là, c est, c est on parle d'un service qui s'appelle MailDrop. moi ouais, c'est ça. C'est un service, euh, si mettons, euh, si, tu sais, avec ton SMTP qui qui, qui, qui passe pas, ouais fait il va passer par iCloud, puis il va rebomper chez l'autre l'autre ban. Ah, c'est intéressant. On voit, avec MailDrop, on peut envoyer des pièces jointes jusqu'à 5 gigs de grosseur. Wow. 5 gigs qui est la limite présentement là, du, service du service à iCloud. iCloud. Est-ce qu'on a manqué l'annonce de... Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas... Euh... Ils n'ont pas mentionné là, le, la capacité de stockage de iCloud Drive encore, mais MailDrop nous permet... On ne sait pas si ça va être un stockage permanent là, de la pièce jointe, là, mais... Avec les nouveaux euh, centres de données qu'Apple est en train de construire, je suis sûr et certains qui ont la capacité d'offrir le stockage illimité. À ben, tout ça, monde. Serait, ça, serait, euh, ça serait conséquent parce qu'ils mm -hmm. se, se sont offerts euh, non pas un, mais bien deux data centers euh, de 1 milliard de dollars. Ils ont changé Safari. La barre est tout en haut, complètement dans une. Oui, on Au voit qu'il y a seulement une barre dans Safari ouais. et qu'on peut faire ouvrir euh, manuellement la barre, barre. favori. Ouais. C'est joli. Tout est dans un niveau. C'est vraiment. Oh, Bing, est là. Ben, Bing est là non, de la Google, même façon que Yahoo est là. là, ouais, ouais. là. Mais vraiment, les, euh, sites, là, les, plus, les sites les plus consultés apparaissent vraiment à la façon d'iOS 7. Oh, si ils était pas ont pour, intégré Spotlight dans Safari. Ah oui? Oui. Tu l'écoutes ça en même temps? Oui, oui, je le regarde en même okay. temps. On le regarde, on ne l'écoute pas. Oh, ben, nous, moi et puis Bernard, oui. Ça confirme un peu ce que je pensais. On dirait qu'ils veulent tout intégrer, tout ce qu'ils recherchent dans un seul outil, que ce soit mm -hmm. via Safari ou que ce soit via il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la barre de recherche de Safari est une omnibar. Une omnibar, c'est une barre où est-ce que, indépendamment de ce que tu vas marquer dedans, si c'est une adresse web, donc euh, avec un point com, euh, point net, et euh, maintenant là il y en a plein. Il euh, faut acheter des points gourous et des points ninja ouais. sur euh, ouais, Lodali. Ah mm -hmm. um, oh wow. Donc j'aime ça, tu vois toutes les tabs. Ah, Donc, ils sont sur C'est toutes tes puis, tabs euh, qui sont trouvées euh, ouais. dans Safari que tu peux voir maintenant. Avec, avec les tabs iCloud, tu peux voir aussi ce qui est ouvert ouais. sur ton iPad. Ouais. Donc euh, c'est très très beau. Euh, oui c'est ça. Donc la, la, la barre est une omnibar. Puis les gens ne savent pas. Ils tapent Google dedans. Ils se retrouvent sur Google. Ils font la recherche de la presse. Puis ils cliquent sur la presse. Puis ils se retrouvent sur la, sur la presse. C'est un peu euh, c'est un peu ambitionné je trouve. HTML premium vidéo, HTML 5 premium, premium vidéo. Hmm. Qu'est-ce que ça pourrait dire On va aller voir ici, peut-être une explication. Mais ça, c'est plus une liste. Là. Ils font souvent ça, une liste là, de fonctionnalités. Et puis on a les détails là, plus tard, après la conférence, là, quand moi, les ce que, gens, moi, ce que j'aime bien avoir, c'est euh, quand ils marquent euh, X Yosemite avec tous les trucs à l'arrière. C'est un plugin, c'est un feature sans plugin pour les ordinateurs récents d'Apple. Pour écouter du Netflix en 1080p, tu sauves deux heures de batterie avec cette plugin -là. Hmm. Est Est ce plugin-là. Intéressant. Est-ce qu'ils dit avec quel modèle ça l'a Non, ça pas, encore, pas encore dit. Là. Celui de hier. Mm -hmm. <laughs> Il n'y en a pas hier. <laughs> Donc on parle là, de la, la vitesse là, des euh, roulements des scripts JavaScript sur Internet, qui serait 1,25 fois supérieur avec euh, faut, faut le dire actuellement, il y a deux furteurs qui euh, ont le haut du, du, du pavé euh, sur Mac, c'est Safari mm -hmm. et euh, Chrome. Dans la vraie vie, c'est pas ça. C'est euh, plus, euh, en fait. Euh, Chrome. Je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais moi avec Chrome, depuis un euh, certain temps, quand j'utilise le partage de connexion en USB avec mon iPhone, Chrome n'est pas capable de rien faire. Ça plante là ah non, moi quand j'essaye d'accéder de... à un site web. Non. Quand j'utilise le partage de connexion Wi-Fi, ça fonctionne, mais en USB, ça fonctionne pas. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre comme problème. Mais <laughs> Firefox et Safari, ça fonctionne. Ils font une démo de, de Safari présentement. Là. François, il y a des gens sur le chat qui se demandent euh, qu'est-ce qui se passe avec le, le feed euh, Live Blog, que la dernière photo est à 13h14. Parce que c'est très compliqué hein, de prendre des photos. Pis, euh... Ça nous prendrait quelqu'un qui fait juste ça. Oui. Là, on a trop d'affaires à faire là, en parlant puis en essayant de garder ça animé, là, le, le podcast. Là. Ça prendrait vraiment le prochain coup. Là, on va prendre quelqu'un ici là-bas là, juste pour faire la live vlog. L'année passée, on avait une équipe euh, au, au complet qui était, euh, qui était dédiée à, à ça. C'est ça, on avait des articles en direct. Mm -hmm. puis. Euh, D'ailleurs, Mac-Québec, il euh, y, y a des gens qui sont en train de travailler à, à, à récupérer l'information et euh, il va y avoir des articles qui vont sortir. Donc, euh, on, vous, euh, on vous recommande d'aller faire un tour sur le site euh, après, euh, après la présentation pour euh, les sommaires des différentes, euh, les différents ajouts. Utilisez-vous ça beaucoup, euh, Wikipédia? Je ouais, vois oui. pas tant que ça. Moi, Je vois surtout vois. pour les méchants de Marvel, là, mais. Euh moi, je vois où ouais. les, les biographies ou euh, des trucs comme ça. Là. Hmm. Donc, aucune idée, mais on va le kicker. Donc, euh, c'est ça. J'ai utilisé la, 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 la super, euh, le super raccourci « kick » sur euh, le chat hier. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. <laughs> Pourquoi exactement? Ben, ce n'est les... pas, pas vraiment une place ça, pour annoncer vos services ou bien annoncer. Je suis cynique Utiliser le download direct avec un débridé de pool de fournisseurs download. En tout cas, je ne sais pas ce que vous vouliez dire, mais… mais C'est l'autocorrect, peut-être. Peut-être qu'il voulait nous donner une information vraiment importante, mais bon. Ah, c'est ça en tout cas. Il reste à vérifier avant d'appuyer sur Enter. <laughs> donc euh, Jean-Michel qui est devenu un grammar Nazi. Ouais, <laughs> ah, c'est ça, je suis un modérateur euh, de chat inflexible. Gécin. Ouais c'est ça. C'est correct. Mm -hmm. c'est ça qu'il faut des fois surtout une salle publique comme ça sur un serveur public là c'est pas notre propre serveur donc euh... voilà. Mm -hmm. Donc, euh, Donc qu'est-ce qu'on voit là, présentement à l'écran? C'est ce que c'est un preview ou bien c'est Safari? Non, c'est dans, ou... dans Safari. Ah, c'est un script. En... Ils sont en train de faire une démonstration de un... chose en JavaScript dans Safari. Okay. Ça semble être une fonctionnalité là, qui est souvent mise à jour, là, qui est souvent mise de l'avant aussi, la rapidité d'exécution des... des scripts là, comme ça. À chaque ben, version... Oui, c'est euh... ouais, ça. Mais c'est ce qui sort. Euh, Au six mois, Safari... Sort une. Ben, en fait, aux années, Safari sort une nouvelle version. Mm -hmm. Ils sont X fois plus rapides que tout le monde. Puis, comme ils ne sont pas réellement mis à jour euh, pendant l'année, sauf pour les, les, euh, ah. les trucs de sécurité, ben, les autres euh, rattrapent ils et ont, dépassent. Ils ont, ils ont, ils ont ajusté rapidement. une fonction de, de stitch. Que tu, peux prendre, tu peux mettre des flèches puis tu peux mettre du texte par-dessus. C'est chien. <laughs> Au balai. <laughs> <laughs> c'est dans Safari, c'est. dans Mail ça. C'est dans Mail. Il a envoyé oh. une photo de Safari dans Mail et puis tu peux faire du dessin mais, dans Mais c'est bon, on vient de couper une étape là, parce que c'était c'était long là, ouvrir long. Stitch, euh, Stitcher c'était comment ouais. ça s'appelle Stitch, Stitch Stitch Stitch, Stitch, Stitch. Là, ça quoi? fait partie de l'écurie mm -hmm. des produits Evernote ah, qui ça. sont euh, ouais. vraiment Mais maintenant des que notre trial de 13 mois qu'on a eu avec Mackie s'est expiré, on n'a plus de raison de se servir de ça donc ben, non, moi, je l'utilise encore. On va l'effacer. Ben oui, on va l'avoir maintenant. Vous, vous allez l'avoir. Mais... Toi, tu vas rester je avec, je avec 10.8 encore. À moins qu'il annonce là, une mise à jour là, pour les. Pilotes, il, y frais, là, il y a Fred Lavoie qui est très content parce que ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas vu un kick être fait dans MRC. <rire> 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 mais les anciennes technologies fonctionnent des fois le mieux, donc euh, c'est pour ça que. Quand on dit les médias sociaux, les médias c'est parce qu'il y avait euh, des bulletins <laughs> ouais, de Il y avait des newsgroups, il y avait des chats. Ça en était des médias sociaux. Mm -hmm. Tout à fait. Pour ceux qui, ceux qui les utilisaient. Il n'y trouvé... a aucune archive là, de ça, toutes ces chats-là. Il y a tellement d'affaires qui se sont dites dans le temps, mais c'est perdu à tout jamais. Mais là, je peux aller sur mon Facebook et trouver ce que j'ai dit en 2007 là, sans problème. Eux aussi. Ouais, c'est <laughs> ça. <laughs> tu sais, à l'époque, dans le temps de l'émission de Jean-Marc Parent, qui est en direct. Je faisais le chat euh, en direct. C'était un peu comme le Twitter de, de mm -hmm. l'époque, mais c'était ça. ça mais il n'y a rien qui est archivé. Il y a des affaires super intéressantes qui s'est à là-dessus. Mais... Ouais. Comme flash tes lumières. Il y a un système qui va s'appeler continuity. Fait que je ne sais pas c'est quoi, il commence à en parler, là. Il y en a Patrick Duchamp qui il se commence, souvient de son fini. numéro ICQ. Si vous voulez l'appeler, c'est 236421. J'ai manqué ce qu'il a dit, là. J'ai pas compris. Désolé. Pas de trouble. Donc on parle ici handoff, une nou nouvelle fonctionnalité. Donc on parle euh, lorsqu'on travaille dans un document sur son Mac et puis qu'on décide de, de partir de son poste, qu'on voudrait continuer à travailler sur le iPad. Il y aurait une fonctionnalité maintenant qui permettrait de faire ça, qui permettrait de reprendre le document exactement au même endroit mais sur son iPad. Donc là c'est une fonctionnalité qui semble être disponible avec les logiciels Apple, donc euh, de iWork, Pages, Numbers, et Keynote. Que ça m'étonnerait que ça vienne aux autres logiciels. C'est vraiment une fonctionnalité privée, un peu comme Airdrop. Mm -hmm. Donc euh. d'avoir des appareils récents, si on va avoir Airdrop qui va faire... Euh, ben, de de, de moins en moins récent, c'est 2011 en montant, si je ne me trompe pas, Airdrop, c'est ça? Je pense que, oui. que c'est le modèle, après c'est Logging. Ouais. Puis euh, on, on, a, on a vu qu'il y avait moyen de l'activer euh, quand même sur, euh, sur ton modèle. Euh. On parle aussi, et là on est rendu, est ce qu'il parle de iOS ou bien de... Non, il parle encore de OS 6 OK, parce que là, on parle d'une fonctionnalité qui s'appelle Instant Hotspot, qui permettrait de créer un hotspot d'une manière plus rapide. Donc, ça va sûrement venir avec iOS 8 sur... Ben, en fait, Mais, si ah, non, on parle, ton... okay, parle d'un réseau créé à partir du Mac. Donc, si tu branches ton téléphone sur ton ordinateur, tu as Internet à cause de ton téléphone, mm -hmm. et là, tu crées rapidement un point d'accès que les gens peuvent utiliser ce qui est plus intéressant que d'utiliser le téléphone parce que tes antennes sont plus puissantes ta machine est, euh, et, 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 okay. et est plus puissante use, aussi si on utilise notre mac et que le iphone est prêt et proche le mac voit le iphone et te demande de créer un hotspot donc ce serait pour accéder à internet donc ce serait pas dans le iphone que ce serait plus rapide pour créer le personal hotspot ce serait le, mac, le mac qui mac. détecte parce Exactement. que c'est avec le mac qu'on l'utilise. Oh. c'est intéressant ça mm -hmm. ils ont Parle dans iMessage, ils parle d'iMessage. Ils, ils incluent les text messages là, dans iOS. Dans iOS dans c'est vrai, euh, les bulles OSX. sont vertes. On dirait ok, mais là, on voit que les SMS ne se reproduisent pas sur le, le Mac. C'est la démonstration qu'il fait. On reçoit des messages en SMS sur notre iPhone seulement, mais on ne peut pas les recevoir sur le Mac. Mais là, la nouvelle fonctionnalité qui viendrait, c'est que les messages texte apparaîtraient sur. Le iPad est sur le Mac là, qui utilise seulement iMessage, donc ça serait sûrement comme un genre de forward qui serait fait en même ça, temps. Ça, c'est. En tout cas, ben, ça, c'est probablement ce qui va régler. Ils ont un problème euh, qui, qui a émergé récemment. Euh, les gens qui étaient avec iPhone et euh, qui sont passés à Android, mais qui ont oublié ou qui n'ont pas désactivé comme faux iMessage, ce qui se passe, c'est que euh, le serveur de Aïe, 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 tu peux appeler. Oui, le même principe du transfert de message texte se fait avec les appels téléphoniques aussi. Tu maintenant. peux répondre sur ton Mac à ce temps, sur ton cellulaire. Nice. Ça, c'est cool. Donc, est-ce que ça se fait avec le même genre de technologie que AirDrop Probablement. Donc, ça va prendre un iPhone récent puis un Mac récent aussi. Probablement. Ouais. Euh, le truc, c'est qu'il y a déjà des applications dans le App Store qui permettent de faire ça, mm -hmm. qui se branchent en Bluetooth à, à l'ordinateur. Euh, mais l'application a une très, très mauvaise note. Elle est vendue 6,99 euh, sur, les, sur les sites web. Quand il y a un numéro de téléphone, tu pèses sur le, le numéro de téléphone, Petit tu téléphone? vas appeler Petit avec téléphone. ton Mac. Nice. C'est vraiment intéressant. Oui. Ça c'est cool. Ça c'est hot. Ça c'est cool. Ça, c'est hot. Il, il, il c'est vraiment un... bien pensé. Qui a un Mac mais n'a pas d'iPhone? Ben ben, Est-ce que, est que, mais... que ça va téléphoner par le iPhone ou c'est le service non. que Apple va donner qui va permettre de téléphoner Qui va, qui va se rejoindre en fait. Oui, oui, mais si tu n'as pas le téléphone, tu ne peux pas téléphoner. C'est ça, pas ça. Pas. ça prend l'iPhone. Okay, okay. euh, tu ne peux pas téléphoner à euh, quelque chose de gratuit, gratuitement. Non. Qui a un iPhone et un PC et qui va faire comme mmm, Je veux ça. C'est le phone, je veux ça. Moi, j'aimerais bien. gens au bureau. Qui vont pousser pour avoir du Mac. Excellent. On est content. Plus il y a de gens qui ont du Mac. Eh monsieur. Plus on travaille. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais il montre une photo de lui en train de faire genre du karaoké. Oh boy. Tu vois, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Tim Cook pourrait pas faire ça. Lui, il peut. Mm -hmm. Mais ce pas à Tim Cook de faire ça, c'est aux membres de son équipe. Avant, c'était Steve Jobs, parce que Steve Jobs était connu pas mal universellement. Là, ouais. Mais là. Oh, mais il passait, il passait des fois le micro aussi à d'autres. Mm -hmm. Oui, c'est ça. À l'époque. Mm -hmm. Oh, my God. Je suis, sûr, je suis sûr que si. Il y a, dans dans l'iPad, quand tu quand es sur ton Mac et sur ton iPad, quand tu trouves ton, ton iPad à cette il va avoir une icône en bas à, à gauche. Tu fais ça c'est ton Safari qui rouvre. C'est-à-dire que tu contrôles... Non, tu vas avoir la même image que tu as sur Safari que là, oui. que sur ton iPad, d'une traite. Au lieu d'aller chercher le bookmark et ces affaires-là, tu as la même image. Ah! C'est intéressant. Ouais. Fait que là, c'est le téléphone qui est en train de sonner. Il n'a pas répondu à sa mère. <laughs> c'est ça, on voit... <laughs> On voit il y a une notification qui est apparue dans le coin puis ça a marqué vraiment le nom de la personne from your iPhone. Puis là, il y avait accept ou decline. Ça nous permet de prendre l'appel sur l'ordinateur. Ouais. Cool. Est-ce qu'on a vu rapidement s'il y avait les autres services qu'on... Je les utilise pas tellement les rappels. De... il, puis, il va appeler ça. là. Il va appeler avec son cellulaire. Il va commander des sushis pour toute la salle. <laughs> Donc, on voit c'est un peu comme le bouton Skype qu'on peut installer sur Windows en plugin qui permet de ouais. faire l'appel par Skype. Mais là, on sélectionne le numéro. Ah oh mon Dieu, menu il va faire un appel à un nouvel employé, Dr. Dre. <laughs> OK, prenez le numéro en note 408-974-1010. Watch, ben. Il y a tellement du monde qui doivent appeler à ce numéro-là présentement. Là. Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un burner phone. <laughs> c'est comme, on va faire un truc, il faut un numéro de téléphone, achète-toi un téléphone burner phone. On s'entend. C'est oh moi, pour une certaine raison, qui s'est remis, qui s'est démuté. Est-ce qu'on se souvient du numéro? On a pris un screenshot, c'est sûr. Il y a quelqu'un, 450. 408-974-1010. Il y a Wow. Des milliers de personnes Toh. qui ont eu la même idée. <laughs> c'est Apple. Oui, c'est le numéro. Euh. C'est le numéro de Apple, donc. Uh -huh. C'est pas grave qu'ils donnent. Il y avait le numéro de poste qu'il fallait pour l'appeler, je pense. Ouais, c'est ça. On, le seul. seul, seul yon, Mais c'est fou achute. là. Ça, j'ai hâte d'essayer ça là. Ça va être cool. Ça, ça va être hot. Ben, ça aurait presque été drôle qu'ils achètent un petit numéro de téléphone et qu'ils mettent un message enregistré de Dr. Dre qui euh, remercie tout le monde d'avoir appelé. En tout cas, c'est ATT ou euh, les compagnies de téléphone canadiennes qui vont être contentes. Le nombre d'appels qui doit se faire là, présentement une 1 et 80 la minute, c'est un numéro-là. Du <laughs> monde qui n'a pas réalisé que c'est un numéro en Californie. En Californie là. interurbain, oui. Ça mm -hmm. serait drôle de trouver quelqu'un qui est capable de nous sortir la courbe de quand ils ont donné ce numéro-là. Là, c'est là que tu commences à entendre le message « all, all circuits are busy », les affaires de même. Ah, mm. oh, le serveur d'Apple ont planté pour le téléphone. Oui, tout le monde a appelé en même temps. Là, ils il répètent les, les services, mais ils n'ont pas encore dit combien que le iCloud Drive ferait en espace. C'est ça. On sait que 10.10 .10 va être gratuit encore, comme Mavericks. Excellent. Wouhou, on va avoir une version aujourd'hui. We're doing something a little unusual this summer. We're having a public beta program. Ils vont encore avoir un beta public, mais plus tard cet été. Donc, ça va probablement être plus proche de la date de sortie, mais ça va être un nombre restreint de personnes. On l'avait dit ça. On l'avait dit la semaine passée. Il fait pas faire ça parce que ceux qui vont installer ça aujourd'hui, ils savent que ça peut chier. Ça va chier partout. Il n'y aura plus rien qui va fonctionner. C'est le même à chaque année. Mais le monde, euh, non, ils connaissent pas ça. Là. Ils savent pas. OK, il faut que je fasse demain. Non, non, tu peux pas. C'est ouais. ça. Donc, on confirme que ça va être disponible pour tout le monde cet automne, toujours gratuit. C'est ouais. ça, exactement. On va nous parler de quoi maintenant? On commence à parler d'iOS. Ouais. Tim Cook est de retour sur la scène. Ben oui. Qu'est-ce qui se passe? Midian, on, parle durant, on parle durant l'été pour OS 10 par contre. donc Ça va être probablement vers la fin de l'été. Hein? Pour les développeurs en bêta? Non, uh, OS 10 release in, is in the summer. Non, il va y avoir deux versions. Il va y avoir la version du développeur aujourd'hui et en été, ça va être la version publique. Bêta. OS 10 release is in the summer. Ils ont parlé du bêta qui va être à la fin ben de l'été, ouais. mais la release être fort. Ah ouais. on va être à l'automne. C'est pour ça qu'il y a un show ce soir qui s'appelle Aftermath. WWDC. effectivement <laughs> effectivement moi et Jean-François on va co-animer Est-ce euh, que ce Benoît se joint à vous là? Benoît Chamontin va se joindre à vous de Geeks. And Excellent. Donc Benoît va être un, un troisième joueur. Donc on va euh, être toujours sur Mac Québec euh, la page en direct et on va faire euh, cet événement là live, on va faire euh, un rappel de tout ce qui s'est dit aujourd'hui et euh, toutes les analyses qui euh, auront été faites euh, durant la journée, les commentaires des gens. Donc, c'est à ne pas manquer ce soir 20h. Il parle d'Android, Pourquoi il parle de ça? Ben, il mentionne que plusieurs euh, des nouveaux euh, clients, là, on a mentionné qu'il y a 130 millions de nouveaux clients, de, nouveaux, euh, de nou personnes qui sont nouveaux chez Apple, là, des euh, utilisateurs de produits, surtout iOS, dans la dernière année. Puis il mentionne qu'il y en a beaucoup qui se sont passés de Android là, à iOS. Puis, ils a même été dire que ces gens-là avaient acheté Android par erreur et puis sont revenus à iOS. Là, ça fait plusieurs là, petits. Euh, Pe petite euh, pointe, petit point à Android là, depuis le début de la présentation. Est-ce oui. qu'on va nous, nous présenter, parce qu'une des problématiques, c'est justement de changer d'écosystème assez facilement. Est-ce que peut s'arranger pour dire les applications que vous avez sur votre Google Play, que vous avez peut-être payées, on va vous les donner gratuitement sur ouais, le Ça, je pense que ça nécessiterait une entente là, avec les développeurs, là, au cas par cas, encore un hum. peu comme du streaming. Euh, Peut-être. Ce ben, serait quelque chose de possible, j'imagine. Ce serait compliqué à intégrer, là, mais. 97 Peut de satisfaction pour mm -hmm. le 7. Ça a été mesuré par une compagnie externe, donc. Euh, j'imagine que, que c'est des vrais fiable. chiffres. Ouais. Est-ce qu'il est qu se passe quelque chose sur le, le Twitter, le, en fait pas le Twitter, le IRC On va aller voir ça. Non. Est-ce que, est que l'appel à Dr Dre la seule mention du fait qu'ils ont acheté Beats qu'il va avoir pendant toute la à présentation date, oui, il y a juste ça. Ça. Je pense oui. que oui, hein? oui. Je pense que, que c'est qui? J'ai vu passer ça sur le chat. L'entente n'est pas finalisée encore là, à 100%. Donc, euh, d'après oui, moi. Oui, oui, ils, ont, ils, ont ils ont officialisé. Oui, ils ont acheté Beats, ouais. mais ils n'ont pas encore finalisé 100% des modalités. Ça se peut. Euh, mais après, après euh, en fait, euh, le chiffre qui était avancé, c'était 3,2 milliards de dollars. Mm -hmm. Puis avant d'acheter une compagnie, quand il y a une espèce d'entente, euh, tu sais, tu es rendu à un moment donné. Puis. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes leurs livres. Tu, sais, tu donnes leurs livres puis tu, tu jettes un coup d'œil. Mm -hmm. euh, quand tu es rendu là, il y a quand même des papiers, puis c'est assez avancé euh, au niveau de l'achat. C'est ça. Puis après, c'est un processus qu'on appelle due diligence. Ça. Et le prix a descendu de 200 millions de dollars quand même. Là. Donc, euh, voilà. C'est pas qu'Apple n'était pas capable de, de, de recevoir. De ce montant-là, on sait que Dr. Dre. Euh, Possède 25% de la compagnie. Mm -hmm. Donc, ce ne sera pas le premier millionnaire Un rapper. Seigneur. Le premier milliardaire. <laughs> rapper. Envie de blaster Android là. Ah oui. 99% ouais. des euh, malware Android. Des malware mobiles Mobile, sont sur Android. Android, hein. Android Est-ce qu'on se doute que le 1% oh doit être sur Windows euh, Phone OS ou quelque chose comme ça? Hein? Il parle de la fragmentation d'Android encore qui n'est pas encore réglée. C'est vrai que ce n'est pas encore réglé. C est, c est pas encore ça ne se réglera jamais, je pense. Non? Je pense pas ils ont oui, Il y a 89%, la 89 de la base d'utilisateurs du d'iOS qui est à iOS 7, versus 9% de la base d'utilisateurs Android qui est à la dernière, dernière version, version d'Android. Mais encore là, les versions d'Android sont développées euh, au cas par cas par les manufacturiers. Ouais. Donc c'est pas le dernier Android qui sort sur tous les appareils en même temps. Il va sortir sur 2-3 appareils. Sauf là, sur Nexus. C'est ça. Sa, euh, Samsung va sortir là, sa version pour son un appareil à la fois, puis ainsi de suite, là, par exemple. Hum. Donc, on commence à parler de l'iOS 8. Là, les statistiques sont finies. Des nouvelles fonctionnalités. C'est clair qu'on va parler un peu de AirDrop, parce qu'on a vu que de l'autre côté, là, mm -hmm. euh, euh, ils, avaient, ils avaient vraiment euh, fait le lien euh, entre les deux. Est-ce que quelqu'un peut nous dire s'ils ont effectivement changé la fonte, la police de caractère? Euh? Non, on non. Voit pas encore assez, non. On a encore la même personne qui est sur la scène qui était dire ⁇ I miss you guys ⁇ De quoi ça Non, le, le même... Comment ça s'appelle OK, donc on a une première nouvelle fonctionnalité qui nous permet de répondre à des messages SMS ou iMessage directement à partir de la notification sans quitter l'application pour basculer dans l'application Message. Non, non, je, I, euh c'est ce qu'on ce qu avait dit. C'est la possibilité. Sur le, sur le jailbreak, ça? Euh, Monsieur Duchamp va me le dire. J'ai un, Byte, un, SMS, un... Ouais, Byte SMS, cest mm -hmm. ou ça? Oui, Byte SMS, oui, ça vient d'arrêter. C'est ça. Donc c'est vraiment une tendance qu'on voit qu'ils reprennent les fonctionnalités du Jailbreak là, qui sont vraiment populaires. Ça fait longtemps que ça existe, Byte SMS. C'est vieux, ça. là. Uh -huh. hey, je pourrais te sortir ma facture là encore. <laughs> c'est vrai? Cette portion-là, qui s'appelle le home, le home screen, n'a jamais été très bien utilisée. Donc, je ne sais pas si Apple va euh, rajouter euh, des, 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 des choses de ce côté-là. Mm -hmm. J'ai testé, oh. c'est encore du LVD si ultra -fin. Quand vous cliquez deux fois, vous avez le, toutes les applications euh, allumées, qu'on voit. Les tables. Et quand vous, repayez, quand vous appuyez deux autres fois, vous voyez avec qui vous avez parlé dernièrement. Ah. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est maintenant possible de supprimer des messages dans mail avec seulement un mouvement. Donc, on fait juste swiper. J'imagine qu'on n'est pas obligé de confirmer l'effacement. Le, c'est un, 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 un peu ridicule parce que si on parle de Gmail, quand on supprime les messages, ça s'en va dans le trash automatiquement, à moins que ça soit configuré autrement, qu'on ait modifié la configuration. Et mon Dieu, il hey, y a beaucoup de choses qui ressemblent à. C'est quoi l'application la, euh, qu'ils ont donnée, euh... Mailbox non. Clear? Non, pas clear. Je me souviens plus. En tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui ressemblent à ça. Là. Euh Des idées qui sont ça. On est allé chercher ouais, chez, ch un chez un, un compétiteur. Okay. Une application. Ouais. C'est le fun parce que dans la, dans la salle, le développeur de l'application est peut-être là et il fait ouais, comme Ah, tabac. C'est vrai parce que imagine-toi le gars de Byte SMS, là, du jailbreak qui est là. là. Mm -hmm. oh oui, mais il, il savait que ça allait arriver un jour. bon, Il s'est dit. Je... ByteSMS va quand même permettre d'envoyer des messages, d'acheter des messages textes sans nécessairement passer par son fournisseur. Là. Mais c'est sûr que les fonctionnalités là, que nous, on utilisait peut-être pour euh, répondre, là, ce sera plus, euh, plus le point de vente principal. Souvent, souvent, ce qui se passe, c'est que Apple va aller chercher les fonctionnalités de base de ses. Euh, de, 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 de ces logiciels-là, mais ne va pas tout donner. Ce qui fait que le logiciel reste encore mmh. une espèce de version pro non intégrée, mais quand même, euh, de, 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 de ces quelques features-là qu'Apple a c'est Ce n'est pas juste message, c'est Facebook. Voit, ça, on, aussi, on voit l'intégration avec Facebook. Donc, quand la notification, le bandeau de notification apparaît en haut, ouais. on fait un swipe-down. Et puis là, admettons, avec Facebook, on a vu qu'il y avait l'option « Comment » ou « Like ». Donc, si on « Like », quand on appuie sur « Comment hmm. », il y a le, la, la zone de texte qui apparaît et le clavier. On peut répondre ça, je te sans parler. quitter. Euh, J'espère qu'ils vont faire ça aussi pour Twitter. Hein? Est, ça va sûrement être… Euh, là, ça a l'air d'être intégré avec iMessage, le téléphone, FaceTime audio et FaceTime euh, vidéo. Je vois pas… Euh, hmm. C'est bien, moi j'aime ça. Avant, ça c'est ça c'est euh, quand on pèse deux fois puis deux autres fois. C'est ça que tu disais, c'est pour ouvrir euh, ce qu'on appelle le, le, le multitasking puis deux autres fois c'est pour ouvrir les derniers appels, les derniers leur, appels tes favoris, whatever. Okay. Excellent. Intégration de Open Table dans les emails. Euh, qui vont être ajoutés au calendrier. donc euh, ouais, ça. Bonne on, façon voit, de... on voit une option Add to Calendar en haut, ça l'a détecté là, la réservation. J'imagine que ça va fonctionner avec d'autres euh, services. services à date, il y a beaucoup. Euh, en fait, c'est pas mal plus tight au niveau des, des, des services de. de de communication, ça. il y a des, des, des trucs qu'on voit arriver euh, dont on s'attendait, d'autres un peu moins. Le, le hand-off, euh, hand c'est quand même vraiment intéressant. Mm -hmm. Exactement, oui. Ah, je vais c aller s'intéresser. À, à, à c'est euh, de l'optimisation, euh, pas de l'optimisation euh, au niveau du fonctionnement, on, on a vu, euh, c'était… Euh, Jonathan Ive avec des cheveux. On ouais. vient oui. de voir. Ouais. C'est avec ses cheveux à lui, en fait. fait oui, ben ouais. effacer un message, tu laisses ton doigt, tu glisses ton doigt au complet. Ben ouais, donc on imagine que ça va probablement faire le tour de Twitter, cette photo-là, de Jonathan Ive avec des cheveux. Tu devrais retrouver Jonathan Ive avec. Euh, en fait, la photo qui montait, c'est un montage. Mais mm -hmm. si vous cherchez des photos de Jonathan Ive il y a quelques années, euh, en fait, il était, il était rondouillet, puis sa coupe de cheveux, il allait pas très bien. Là, en fait, le, le, gars, le gars, qui le représentait dans le film de Jobs qui est sorti euh, euh, l'année passée mm -hmm. avait un meilleur look que Jonathan Ive à <laughs> l'époque. C'est un gros focus qui est fait sur mail là. On a ben, c'est la bête noire en fait de 10.9, mais il y, mm -hmm. y a beaucoup, oui, y a eu de, eu beaucoup de problèmes. Il y a hein. beaucoup de problèmes qui ont eu lieu. Ils ont, ils ont pris beaucoup de temps pour euh, réparer ces, ces problèmes-là. Donc, euh... Donc on remarque dans le Finder sur euh, iOS maintenant, on a le App Store qui est intégré là-dedans. Donc si on commence à taper un nom d'application, on, so on va pouvoir aller acheter l'application directement sur la App Store. Donc on voit ici qu'il a tapé Minecraft et puis Minecraft n'est pas installé sur. Euh, son, euh, son, appareil. son appareil, il peut simplement taper sur le nom de l'application et il va être renvoyé vers l'App la Store. C'est quand même intéressant. C'est intéressant mais on se rend compte que c'est une fonctionnalité qui est là pour vendre encore plus facilement mm -hmm. une application. Et qui est là aussi pour couper une étape, c'est ouais. beaucoup de ce qu'on voit, on coupe des étapes là, dans le tout à fait. Quick type donc, c'est le même... Euh, quick Type. Ici. Quick Type, maintenant on parle du euh, clavier... Ah, j'espère que c'est le même clavier que celui de Blackberry. Ah oui, es j'espère. Avec les mots, avec oui, les oui. mots, là, ouais. J'espère que c'est ça parce que ça va être malade. C'est vrai? Ah, c'est malade ce clavier. Ouais, le clavier coup. de Blackberry... Ok, voilà, et voilà, je savais. Un coup qu'on s'habitue, il, il y avait un tweak de Jailbreak qu'il faisait, là, ça coûtait 5-6 dollars. Qu'est-ce que ça va être ça? Dire que, euh, avec la, les mises à pied qu'il y a eu chez, euh, chez BlackBerry, mm -hmm. y a beaucoup d'employés de chez BlackBerry qui ont été là, j'imagine peut-être des développeurs qui étaient sur QuickType de BlackBerry <laughs> qui ont dit Bon, bien, c'est pas long, <laughs> c'est pas long, mais on va vous faire ça. <laughs> ils ne sont pas supposés, ils l'ont fait autrement, là, mais. Euh, QuickTide, yes. ah, juste ça, c'est avec l'USB. Okay, ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est les. <laughs> Exactement, on voit les, les, les mots les qui voilà. sont écrits dans le haut du clavier, là, contrairement là, juste au-dessus des lettres, là, comme sur BlackBerry. Est-ce que c'est moi ou le clavier que je vois en bas, c'est l'ancien clavier d'iOS? Non, c'est le même. Ouais, c ouais. Parce que je n'ai pas. Euh... Mais la virgule, tu peux l'enlever. Moi, je n'ai pas, la virgule, là, sur euh, l'apostrophe ou la virgule. Il va falloir que tu me montres ça avant de partir parce que. Moi, je ne l'ai jamais eu, l'apostrophe. Non? Là, non. Okay. Donc, on voit, là, y a, on voyait un message. Tu reçois un message, puis là, tu do you want to go uh, uh, to a movie or to dinner? Et puis, les, les, euh, quick, le QuickType, qui est dans le haut du clavier, euh, comme détecter les choix, te propose directement d'écrire un movie or a to dinner. Wow, c'est cool. <laughs> c'est ça. Privacy. Donc, ça fait le tour de QuickType. On va avoir une démonstration là, sûrement plus tard. Donc, euh, privacy est euh, probablement en fait que c'est une fonctionnalité qui va donner accès à vos données. Uniquement à la NSA, on va être sûr après ça. Donc, euh, <laughs> c'est euh, très bien. Il y a Jonathan dans le chat qui marque. Il manque juste le intelligence -sc uh, screen X. Puis je ne suis plus dans tu le jail. Tu lâches le jailbreak. Ouais. Yeah, Peut-être peut que ça va venir, on ne sait pas. Donc là, on parle encore d'un peu une fonctionnalité un peu à la handoff ce qui vient d'être annoncé pour OS 10 dans. Donc on voit vraiment l'appel entre sur l'iPhone et puis le iPad sonne aussi en même temps. Ce qui est intéressant parce que ça m'arrive souvent là des fois de recevoir un appel puis là mon iPhone est dans ma chambre mais maintenant puis là je suis dans le salon juste avec mon iPad puis là mais pourquoi tu me réponds pas puis j'avais je veux juste pas mon téléphone avec moi mais là ça va être ça on prend des écouteurs par exemple tout le temps avec moi si je veux répondre avec mon iPad là mais oui c'est ça. Moi j'en ai tout le temps sur moi. Je les je les connecte d'un appareil à l'autre. Ah cool. Je vais m'en acheter. Les oui, groupes maintenant avec, 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 avec un message, tu peux euh, ajouter enlever du monde de tes de ta liste de, à, à qui tu t'envoies. Mettons, je vais enlever Bernard avec la conversation qu'on a présentement. Je pourrais l'enlever, lui, tout euh, un. Puis est-ce que je viens euh, de remarquer que le groupe iMessage s'appelle Road Trip? Roll donc, trip. on peut nommer nos groupes iMessage oui, tu maintenant. Tu peux marquer, tu peux nommer. C'est une Tu peux vous enlever au Bernard? Non. T'en souviens, Benoît, à un moment donné, nous avait dit, Hey, pourriez-vous eh, enlever? Ouais. Alors, <laughs> puis mm -hmm. on dit, Ben non, non on ne peut pas faire ça, mais on va se créer puis, un autre groupe. Juste le nom du groupe. Parce que là, moi, présentement, sur mon iPhone, j'ai un groupe là. Alexis Bernard, Jean-François, Jean-Michel. Alexis Bernard, Alexis Jean-François, Alexis... Toutes les enfants de même, puis ils s'appellent <laughs> tous pareil. Euh, C'est si pas à ça, qui t'envoies. Si ça commence par Jean-François, ben, je vois pas Jean-François au complet. Fait que là, j'ai Jean-François, 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 quatre fois. Il y a une nouvelle fonction que tu peux mettre ta voix maintenant dans iMessage. d'un ah. un bouton, t'enregistres ton message vocal, tu l'envoies, la personne le reçoit, tu l'écoutes, ou en vidéo même. C'est intéressant. C'est vrai un banque. genre de veine privée sans limite. C'est ouais. la démo de, de message. Ça j'aime beaucoup beaucoup ça moi. Oui, parce que pass... sinon, mais on pouvait le faire avant, mais il fallait encore là. On vient de couper une étape. On ouais. a pu à ouvrir la caméra puis aller filmer là, séparément. On peut le faire directement là, dans l'application. Ouais. On a vu que le, le, la commande pour cette fonctionnalité là, c'était une petite roulette qu'on faisait apparaître sur le côté. Donc euh, je ne sais pas si ça va être quelque chose que les autres vont pouvoir utiliser. Garde, euh, ah ben là il l'a enlevé là. Il va revenir, là. Où est-ce qu'on a, est qu a ça? C'est une fenêtre qui dit les gens à qui tu parles sont à quel endroit. Donc, c'est l'intégration de « Find my, my friends, friends. ». Ouais. Donc, on vient encore de couper une autre application. C'était ridicule de devoir télécharger ça. Non? Oui, hum. tout à fait. Il ben, faut quand même une interface pour euh, décider qui on rajoute dans son « Find my friends ». Pis, euh, ben là, ça va sûrement être intégré dans les contacts. J'espère, je parce que c'est loin aller fermer et ouvrir cette euh, mm -hmm. fonctionnalité-là. C'est assez loin, en fait, que, per une fois que tu l'as fermé, parce que tu ne veux pas être suivi, tu ne la remets jamais à un ou à peu près mm -hmm. pas. On voit dans les contacts ⁇ Send my current location ⁇ et puis ⁇ Share my location ⁇ Cool. Bon, fait que before, tu find my friend maintenant. Oh. Pour pouvoir oh. voir ce que je suis. Non, c'est ça. T as, t as le le choix. Tu peux dire juste « Ok, je t'envoie juste ma, ma location actuelle. Ça. Euh, non, » ouais, C'est Ça, c'est intéressant. Au lieu de dire euh, « Je ne veux pas que tu me suives pas à pas, là. Mm -hmm. mais ok, je vais te dire où est-ce que je suis présentement. » Donc, euh, c'est bien. Nouvelle euh, fonctionnalité. On, euh, on vous rappelle que le, 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 le podcast euh, est, euh, est possible grâce à la participation de certaines personnes et on va prendre... Euh, un petit temps pour faire avancer la présentation, avoir des choses à vous dire, mm -hmm. et on va vous passer des petites publicités en attendant. Regardez Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vite, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple, pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 ou Sainte-Catherine Ouest ou au iRepairMTL.com. Vous pouvez joindre l'équipe du Podcast MacQuébec par courriel podcast macquébec.com, par Twitter @macquebec, ou sur la boîte vocale au 1 877 561 2357. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPOM, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Ma Québec, le podcast. On aimerait aussi euh, remercier, en fait, euh, l'INIS qui nous accueille dans, euh, dans ses locaux. L'INIS, euh, qui est au euh, centre-ville de Montréal, près de, du métro euh, berry Ucam, mm -hmm. et euh, qui offre toute une panoplie, en fait, de, de formations. Euh, autant des programmes complets qui se déroulent sur une année que des formations, en fait, qui sont euh, euh, en formation continue. C'est-à-dire que moi, j'en ai suivi une, par exemple, euh, la semaine passée, j'ai fait, euh, en fait, la semaine passée, la fin semaine d'avant, j'ai suivi la formation Final Cut euh, avec Claude Guillemette, euh, qui est formateur ici même à l'INIS. Euh, donc, uh, Final Cut 100 et uh, Final Cut 200, donc euh, les, les trucs un petit peu plus avancés. C'est une formation de trois jours et de deux jours et c'était très intéressant. Jean-François, en fait, qui veut nous parler des, euh, des nouvelles <rire> fonctionnalités. <laughs> tu n'as même pas besoin de bouger, tu n'as même pas besoin de toucher au bouton que quand tu amènes ton téléphone là, okay. il juste automatiquement le message. Tu le redescends, le message s'envoie automatiquement. Wow. As même Pas besoin de peser sur Send pour envoyer le, le message vocal que tu viens de dire à la personne. Je pense que euh, oh, là il parle de iCloud Drive. Excellent. Je pense, je pense que euh, Jean-Michel a mis le doigt en fait sur ce que Apple essaie vraiment de faire dans ça, c'est-à-dire de couper dans les opérations le plus possible et de, de, de streamliner. Il euh, n'y a pas vraiment de, de de, de termes en français, mais de faire que euh, c'est beaucoup plus euh, fluide, là, vraiment ton utilisation. Exactement. Ouais. C'est beaucoup plus fluide à l'utilisation. Mm -hmm. On n'a pas vu encore ce qu'on parlait tantôt, l'approbation de toutes les options là, de non. confidentialité. J'ai l'impression que ça va venir. Là. Okay, donc, on parle des fonctionnalités d'entreprise maintenant. Une statistique intéressante 98 des, des compagnies de, de, de la liste Fortune 500 utilisent iOS comme je ne sais pas si c'est comme système principal ou... Euh, ah, il l'intègre aussi dans Windows, dans Cloud Drive. Dans Windows. Excellent. Je disais juste de même, là. Il parle d'entreprise. Est-ce que ce sont des fonctionnalités spéciales pour entreprise, par exemple? Euh, On va sais. le voir ici, son train. il vient de commencer à en okay. parler. On dit que c'est à cause des euh, superbes euh, des applications iOS. Donc là, on a une espèce de nuage de fonctionnalités qu'on va pouvoir, qu'on va avoir le temps justement d'analyser plus tard, et que Bernard, Jean-François, Benoît vont nous parler là, ce soir. Là, des roaming policies, roaming policies, CalDAV, si on l'avait déjà, IMAP. E en fait, le, le device enrollment program, c'est un programme chez Apple. Quand tu achètes ton, ton parc informatique d'iPhone, tu peux directement euh, enrôler les appareils avec leur service à eux. Tu as une espèce de, 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 de cloud service pour gérer tes, tes appareils. Tu n'as donc mm. même pas besoin d'un serveur à Apple pour gérer tes appareils. Ça, Ils dit, le ça, font. Dit, ça dit aussi que ton profil d'entreprise est installé automatiquement mmh. là, à l'achat. La, quand l'iPad est déballé, ton, voilà. euh, tes options d'entreprise sont déjà configurées. Voilà. Puis, tu peux, tu peux avoir euh, déterminé, euh, bon, moi, je veux que les gens euh, soient obligés d'utiliser un mot de passe, je veux que ce soit un mot de passe alphanumérique, euh, tout ça. Donc, euh, un, un service, en fait, de MDM de la part de Apple, mais dans les nuages, ça, c'est fort intéressant parce que quand tu proposes, en fait, un, 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 à un client euh, de déployer une, une flotte d'iPhone, lui dire, écoute, tu vas être obligé d'acheter un serveur à Mac Mini à 600$, puis on va te rajouter ce qu'il faut dessus. Mm -hmm. On va le configurer. C'est peut-être pas euh, très intéressant. Alors que là, ben ça, 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 ça s'en va. Il y a probablement un paiement par mois qui va... Euh... Ce qui est un peu poche, que je viens de voir, c'est l'Automatically Reply dans les messages qui viennent de passer. Je ne sais pas pourquoi ils ne mettent pas pour le commun du mortel aussi. Là. Moi, je l'utiliserais... Le... Ben, ça va probablement être disponible pour tout le monde. C'est juste que là, ils présentent comme une fonctionnalité là, qui est plus euh, ouais. axée là, pour les euh, oh, gens d'affaires. Donc on parle de Elf maintenant, c'est ça Donc pas Elf Book mais bien Elf, elf qui est un icône avec un cœur dessus. Euh, c'est probablement en fait un, un dossier qui, euh, parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont développé des applications, j'ai l'impression qu'ils vont se retrouver à l'intérieur de cette bannière-là plutôt que de les avoir un peu partout. C'est comme un dossier préfait pour mettre euh, Runkeeper, Zombie Run. C'est ça. Donc là, on parle vraiment euh, d'un Health Kit qui serait euh, un genre de SDK pour les développeurs d'applications qui utilisent là, les signes vitaux là, des euh, utilisateurs. Là. Donc, c'est vraiment un regroupement là, de tout ça. Puis j'imagine qu'on va voir la même chose comme on parlait avec euh, les, les applications de domotique. Là. Ça va être le même là, principe. Genre de concept. Là, ouais. Ouais. Donc, on n'a pas de confirmation encore là, que Apple développerait là, son. Une euh, montre ou quoi que ce soit. Il parle vraiment appareil, des développeurs ça. third party. Ça m'étonnerait qu'Apple vienne annoncer quelque chose dans une conférence de développeurs comme ça, parce que là, tous les développeurs là, qui sont comme à la source là, du Wimo ou bien du, de, de, de toutes ces affaires-là de domotique ou de santé viendraient se faire dire bien là, vous n'en vendrez plus de vos choses, on va vendre le nôtre à la place. Oui, exactement. Ils savent qu'ils vont être en compétition là, avec Apple à un certain point, mais. Parce que, en fait, ce que, par exemple, là, ils sont en train de présenter Nike, puis ce qu'il faut savoir, c'est que... Dans le bracelet Nike, c'était des senseurs qu'il y avait, et ces senseurs-là sont complètement euh, pas désuets, mais sont remplacés par la puce M7 mm -hmm. du euh, téléphone. Donc, euh, Nike a simplement à développer une application qu'ils qu veulent vendre ou pas, mais euh, donc amener les gens à, euh, bon ben j'ai mon application Nike, je vais utiliser des chaussures Nike. C'est ça. On continue à avoir des fonctionnalités là, de HealthBook. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, surtout si c'est. Euh Mais c'est un peu euh, dans la lignée de ce qu'on de ce qu'on disait quand on en a parlé. Euh, ici, on dit quand les euh, euh, quand un, un patient prend sa pression sanguine, euh, l'application peut euh, être associée. En fait, le, le, la lecture peut être associée à un contact et notifier automatiquement un docteur si. Euh, la lecture est anormale. Donc, euh, les docteurs pourraient être directement euh, avertis de, ben, il, euh, le client va, euh, va s'évanouir ou la, la, la lecture de, de pression sanguine est basse. Mmh. Donc, si on pousse l'idée plus loin, c'est ce qu'on avait ex euh, expliqué, si on a un bracelet qui fait cette lecture-là en temps réel, mais ben, le docteur, dès que la pression sanguine descend en bas euh, d'un... D'une lecture anormale, ben il peut être averti automatiquement. Donc euh, c'est vraiment intéressant. C'est comme d'avoir tous les équipements qui sont branchés sur nous dans une salle d'hôpital euh, quand, quand on quand on est malade, mais en permanence, puis beaucoup oui. moins invasif parce que c'est tout concentré dans une mm -hmm. dans une petite montre. Donc ça fait le tour de Health, qui est vraiment. Les... C'est ça, on parle de family sharing maintenant. « Family sharing ». J'ai bien hâte parce que c'est une problématique qu'on a assez souvent. Papa achète de la musique. Fiston peut acheter de la musique avec la carte de crédit de papa. Ça se retrouve dans la bibliothèque de tout le monde. Puis finalement, à cause d'iTunes Match, maman se fait traiter de « bitch » à longueur de journée parce que c'est ça que Fiston a acheté dans sa bibliothèque. Quoi? C'est vrai? C'est une réalité, là? Tu de la musique en faisant ton, ton, ton jogging, puis là, ben euh, forgot about Dre qui part. On parle pas d'un mode là, vraiment enfant séparé du, euh, du, du, du mode standard, là, mais on parle de permissions là, qui vont pouvoir être euh, mises individuellement, là, vraiment, là, dépendamment. Si c'est le parent ou l'enfant qui a l'iPad ou l'appareil. S'il y a quelque chose qui est bien demandé par les usagers, c'est bien le multi-usager à l'intérieur mm -hmm. d'iOS. Surtout à l'intérieur du iPad, parce qu'il y a beaucoup, on voit ça, il y a beaucoup de familles qui ont un iPad. C'est rare, les familles, que chaque enfant et chaque on, parent a son iPad. On là. voit maintenant que on peut voir les, les achats de chaque utilisateur qui sont créés ah. dans l'application. Oui, qui fonctionnent jusqu'à six membres de famille. C'est parce qu'à un moment donné, les achats que tu fais, si fiston il s'en va puis que ces achats qui sont faits euh, tu peux pas y permettre de débarquer tu mm -hmm. de dire ok ben on va aller changer de carte de crédit puis mm -hmm. il va pouvoir s'en aller avec ça Photo qui est une application qui à mon sens euh, ont pas mal scrappé l'année passée j'ai aucune idée de ouais. comment cette application là fonctionne juste après un an juste pour revenir à Family Sharing je ouais. sais pas si je vais pouvoir moi intégrer mon compte US puis mon compte canadien comme concurrent là. Mm. je sais pas si ça va être possible ça reste moment. à voir j'ai ouais, hâte d'essayer ça L'icône pour le iCloud est très beau, je trouve. iCloud Drive. Oui. iCloud Drive, oui. Avec les photo appareils là, qui euh... Donc ils amènent photo et iCloud ensemble. Donc toutes les photos que vous allez prendre vont être disponibles sur toutes les devices. Et non 1000 photos là, comme avant avec Actuellement, euh, c'est ça, il y a une photo limite. stream. Exactement. Mm -hmm. Et ils disent, euh, en fait, euh, tu vas pouvoir avoir accès à plus de photos dans le cloud que ce que tu as accès euh, localement. Ce qui va permettre euh, de déjà engorger euh, des appareils qui auraient moins, euh, moins, moins d'espace. Hein, mm. hein, parce que tu peux choisir l'album de photos. Mais là, que la question, c'est quand qu on va. Yeah. Non, le son est correct. Okay. Euh, c'est ce que. Mais qu'on qu installe iOS 8, est-ce qu'on va avoir accès oui, à nos euh, anciennes en fait, photos qui datent de, de Mathusalem? Ou on va commencer quand qu on va installer iOS 8 à avoir le nouveau feed de photos à l'infini maintenant? Ah, qui va reculer dans le qui temps? Je ne pense pas. Temps. Je pense que ça va être à, à, à partir que tu installes. Moment, iOS 8. Ouais. Ah, ils ont changé un peu l'édition de, de photos maintenant, nous? Ça, c'est quelque chose que je trouvais compliqué à faire, l'édition de photos. C'est jamais très précis. C'est jamais... sûr qu'il ne faut pas avoir de trop grosses attentes, mais quand même. Pour moi, c'est jamais vraiment « wow hein, » est mises à jour à l'application photo là, pour ce qu'on fait. Non, non. Le son est bon. Tu confirmes que le son est bon, Alexis? Oui. Ben, c'est un peu bas sur YouTube, je pense. Quand je l'ai allumé, là, attends une minute. Je ne sais pas où est-ce que je suis en train de l'écouter. Est-ce que, est que le son de, de la présentation est fidé? Euh? Non, non, c'est parce que tu dois écouter la présentation sur ton Mac aussi. Okay. Okay. Ah oui, c'est ça. Donc tu pourrais l'arrêter nous ma Excellent. Je reviens ici, je nous écoute. Ça, on est juste en train de vérifier notre son, juste un instant. Ça semble bon. Non, non, c'est très bon. Oui. Ouais. que ton son, euh, Oui, vérifier le son là, sur le YouTube, qui n'est pas nécessairement au plus haut là, par défaut. On est encore en train de faire la démonstration de photos. Il y a un gros, 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 gros. Ah, euh oh, un système d'édition des vidéos intégrées ouais, dans photos. Dans photos, c'est bizarre. Mais une quoi, c'est quelque chose une... qui manquait Si on pouvait couper un vidéo, mais on ne pouvait pas nécessairement l'éditer, faire la balance de couleurs. Puis, euh une, des, une des choses aussi, euh, les vidéos qui sont faites en, en, comment ça en, en ralenti sur l'iPhone, une fois qu'ils sont exportés, Fonctionne en ralenti à l'intérieur de ePhoto, mais dès que tu l'envoies ailleurs, ça ne fonctionne pas. pas. Non, non c'est ça. Le, le, le framerate est encore bon, c'est encore 120, donc tu peux jouer avec mais le pas ralentissement. Le slow-mo, le slow-motion. Slow que tu as paramétré dessus ne reste pas. pas. Donc tu peux en faire un euh, à l'intérieur, par exemple, de, de, de Final Cut, mais euh, tu ne euh, prends pas ta shot sur laquelle il y a déjà un ralenti. Mm -hmm. C'est peut-être une bonne chose, remarque, là, si tu veux l'éditer et tout ça. Là. Si tu veux peut-être changer l'endroit où est-ce que tu as, as mis le ralenti. On peut tu cropper avant? Bien, euh, peut-être dans e-photo, mais là, je pense que ils ont mergé les deux ouais, ensemble. c'est ça. Ou en tout cas, certaines fonctionnalités. Ça me, ça me, ça me semblait aussi qu'on n'avait pas accès à hein? ça avant. Le serait peut-être un petit peu... Bon. Oh, un nouveau service dans la cloud photo qui va être chipé juste l'année prochaine, par exemple. Ça oh. sera pas là. OK. Une nouvelle application photo qu'on voit ici. <laughs> oui, effectivement. Est-ce que c'est un nouveau e-photo ou c'est comme une version de... Disponible les, disponible. les gens veulent peut-être plus utiliser e-photo, donc on va faire une version vraiment, vraiment... Euh, euh, Enlever tous les features, enlever la, la, la lourdeur de e-photo, puis vraiment aller chercher en fait la, la, la base juste pour le visionnement des, des photos, ça ressemble à ça en fait. Là. on a vraiment quelque chose de très très épuré. Puis euh, parce que faut le dire là, iPhoto, moi, euh, il sauve parce que je branche mon iPhone. Là, je l'utilise pratiquement. Donc, tu l'as même plus. pas désactivé. C'est pas non. marqué iPhoto en haut à gauche là. Non. T'sais. Ben, en fait, là, ils viennent, Attends, de, jouer. Ouais, ils viennent de switcher. Là. Sur l'écran Mac, ce ne serait pas marqué « iPhoto », ce serait marqué quoi? Ça serait marqué « Photos ». Ah! Donc, euh, de... bah, vu ce, photo, qui serait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est euh, s'ils font quelque chose comme ça, d'après moi, ce qui se passe, c'est que ta bibliothèque de photos... C'est-tu marqué « iPhoto » en haut marqué... à gauche? Là? Non, c'est marqué « Photos ouais. ». Donc, tu édites une photo... Oui, c'est ça. « A Mac version of the Photos app is now on display. » Donc, ce serait... Une application d'édition de photos qui viendrait à la base avec euh, OS X 10.10. 10. Oui, exactement. Ou ce serait iPhoto qui change de nom. On ne sait Pe pas. Peut-être. Mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que d'après moi, tu édites ta bibliothèque de photos qui n'est plus en local. Tu édites tes photos qui sont ça à une peut, place. Tu édites ouais. avec ton iPhone. Ton iPhone, C'est tout le temps les mêmes, euh, les mêmes photos que, que tu as. Donc, euh, euh, iCloud, new plan for iCloud storage. Euh, 20 gig pour 99 cents par mois, 200 gigs pour 3,99 par mois, et il euh, y a des prix qui sont euh, disponibles pour 1 terabyte. Qu'est-ce qu'on prend? 200 gigs. Ah, oh, on, non, on se met ensemble. On va aller chercher un tera. Ben mais on ne pourra pas le partager. Ça va être associé à, c est, c est associé à nos Apple ID. C'est associé à nos Apple ID, Alexis? Oui, mais. Non, on peut, peut, peut pas. D'après moi, mes ouais, mais tiers available, c'est souvent parce que tu peux le faire dans une même entreprise. Non, 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 non? tiers available, c'est des euh, capacités de stockage okay. que tu vas avoir jusqu'à un bon, terrain. Ben, 200 gigs. Tantôt, on, installe, euh, 8, là, on, va le, on va le voir tantôt, mais qu'on installe iOS 8, on va le voir. Donc, moi, je ça vais ça aller avec… Ce ne sera peut-être pas disponible euh, à l'achat euh, tout de suite. Là, mais... sont, euh, oh, ça, une 4 pièces par mois pour 200 gigs, je trouve ça assez raisonnable. Oui, 99 cents même pour 20 gigs. Les gens…

qui va pouvoir écouter de la voix qui est pas nécessairement de la voix qui est parlée directement okay. dans le micro peut-être on va avoir plus de détails là-dessus plus tard. Uh, improve predictive input, improve weather data, vector based maps. c'est pour la Chine, là. il y a un drapeau chinois à côté. Okay. Hmm. Intéressant, mais ça ça veut dire que le micro du iPhone va toujours écouter si on peut dire euh, Hey Siri. Est-ce que ça va avoir un impact sur la batterie? Il n'y a pas eu rien qui parle de la batterie ou milieu de l'optimisation qui, qui est présenté encore. encore. Euh, en fait, on, on est en train de sortir euh, sur le chat les prix. Euh, bon, euh, combien ça coûte chez Google, combien ça coûte à telle place. Et il semble que les prix soient euh, on par avec ce qu'il y a sur euh, le marché. Donc, le 200 gig à 3,99 chez Google Drive, on peut aller chercher 100 gigs pour 1,99 par mois. Donc, ça se ressemble pas mal. Mais 200 gigs, où est-ce que tu as ta librairie de photos complète complet dans les nuages, euh, où tu as tes backups d'à peu près tous tes appareils euh, iOS, mm -hmm. moi je trouve que ça vaut la peine. Donc là, Tim Cook est de retour sur la scène et il va parler des euh, caractéristiques propres aux développeurs, là, qui, les nouveautés de iOS 8. Donc, ça, les, va, ça va nous donner une idée pris de. pris en photo, euh, tu sais, toutes les. les, les oui. Les, ce qu'on ne voit ouais. pas, tu mm -hmm. euh, sais, quand même, une marque iOS 8, ce qu'on ne qu connaît pas. Je les 200 nouvelles fonctionnalités, Donc, il parle du App Store présentement. Là, ils sont oh. déjà passés à l'intérieur de 10.10. .10, donc, on n'a pas Siri dans 10.10. .10. Non, c'est ça. Non, non il n'est pas là. OK. On va avoir en encore la, la, la dictation. Bien, qui fonctionne très bien. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Mais j'aurais aimé ça, pouvoir avoir, euh, avoir Siri dans Mais tu peux, tu peux y faire ouvrir des applications, de la dictation, oui. tu peux y faire éditer des documents, tu peux... Euh... Tu n'as pas vraiment besoin sur ton Mac, d'avoir quelqu'un qui euh, t'indique comment à quelque part avec la voix ou bien acheter du contenu, ou bien faire un appel. Ils vont changer le, en fait, le ils l app l app store. Peut, ils ne l'ont peut-être pas intégré justement parce qu'ils sont pas capables de faire faire assez d'affaires pertinentes. Non, ils, ils sont en train de changer. Euh, on va avoir un nouveau store maintenant. Donc, on va avoir des recherches, des trends de recherche. Il va y avoir la possibilité pour les développeurs d'acheter un logo Editor's Choice. Donc ah. comme un coup de cœur là, finalement là, qui va être possible d'avoir. Va... De l'acheter. Ben les. les, les, les C'est comme euh, le coup de cœur Renobré, les stickers qui mettent sur les livres. C'est pas Renaudré qui choisit ça. C'est l'éditeur qui... Euh, paye un montant renombré pour mettre des stickers. La même chose pour le Oprah Book Club. C'est pas Oprah Winfrey qui décide là, de lire des livres. C'est l'éditeur qui paye là, pour avoir son livre. C'est Comme fin, les là. restaurants ou les magasins qui sont marqués. Détruit euh, ma vision euh, du excellence monde. Excellence 2014. Là, le ouais. Bon ben c'est pas euh, c'est le mettons le propriétaire qui paye ah ouais, pour avoir ça. Le choix du consommateur c'est euh, l'entreprise qui a payé le plus qui a oh. le choix du consommateur. Là. Ça j'aime ça ce qui s'en vient. C'est quoi? Il ben, y a App Bando, mais il y a App Previews. On va pouvoir avoir des vidéos. On voit, il y a un play là, dans la Il y a une vidéo dans le pré... C'est cool, uh -huh. ça. Ouais, ça, c'est le fun. L'application qu'ils viennent de montrer, Monument Valley, je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est vraiment tout un jeu. C'est ah un ouais? jeu vraiment exceptionnel. Euh, c'est euh, très cool. Euh, c'est un, un, un jeu New Age, pas mal. L'ambiance est vraiment très. Euh, est vraiment chouette. Dans oh, la, dans Test ça. Flight est intégré Test dans l'UI. Ouais. Oui, ils l'ont acheté récemment. Ouais, euh... mais il, est, il est intégré. Donc, là, on, voit, on a passé vite par-dessus. On a des bundles d'applications. Donc, comme mettons un développeur qui fait quatre jeux de la même série, okay. va pouvoir vendre à un prix les quatre jeux, puis les quatre jeux vont être téléchargés en même temps au lieu d'inciter les gens à télécharger les cartes séparément. Puis Faire de la pub de boîte dans une de ces applications pour vendre des trois. C'est ça. Mm -hmm. En tout cas, il va pouvoir en faire un peu moins. Donc, TestLite est vraiment intégré là, au App Store. C'est pratique parce qu'avant, on avait besoin de télécharger une application séparée. Mm -hmm. Donc, une façon de plus de pouvoir partager des applications développées. Euh... Donc, on parle du SDK, les nouveaux SDK. On dit dans le chat que euh, ben, c'est une fonctionnalité qui existe sur le Play Store de pouvoir être remboursé automatiquement à l'intérieur de 15 minutes. Je télécharge une application, elle fait finalement pas mon bonheur pour une ouais, raison ou une autre. On l'avait même mentionné la semaine on est, on est capable de se faire rembourser. Donc, euh, ils n'ont pas terminé d'en parler, mais euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça existe en français SDK? Parce qu'il me semble que ça serait payé en tabarouette au Scrabble. Hmm. Si. Je sais pas si c'est un Software Development Kit. Ouais. C'est une, ab une abréviation. Puis on n'a pas le droit au Scrabble des abréviations. Je ne sais pas. Okay. ça dépend avec qui tu joues. Hein. <laughs> avec moi, tu as le moi, droit. Moi, <laughs> je peux te dire tout de suite qu'avec moi, tu n'as pas le droit, là. Mais... Oh. <laughs> ben, SOS, on a le droit. C'est une abréviation. Oui. Je mais là, depuis longtemps, tu sais. J'imagine que si c'est dans le dictionnaire, tu as le droit. Oui. Vous êtes toujours au podcast MacQuébec, <laughs> même si on a une discussion à propos du Scrabble. Il <laughs> ben, y a une application Scrabble sur ben, l'App oui, la Store. On a notre lien. OK, bon, parfait. Extensibility. C'est des euh, fonctionnalités là, du euh, Software Development Kit pour iOS 8 là, qui vont rendre possiblement la vie plus facile aux développeurs là, pour intégrer les différentes composantes du système. Moi, je ne suis pas vraiment développeur. Là. Je ne sais pas vraiment non, ce que ça veut va, dire, mais j'imagine que... On va ouais. en inviter. Euh, Fred Brunel va venir faire un tour, ou encore Pierre Rochon. On qui a, a euh, On a un cacao cas. on On, on se se va sûrement aussi. pouvoir nous ouais. en parler. Euh... Parce que... Moins de trois petits carrés, hein. deux petits carrés avec iOS au milieu. Là. Je sais pas <laughs> ça ne a pas, pas grand-chose. Avec un morceau de puzzle. Là. 400 mm -hmm. nouveaux API, c'est quand même assez impressionnant. Euh, D'ailleurs, euh, en fait, ceux qui ne nous écoutent pas habituellement pendant l'année, euh, on, on, on parle euh, et on fait affaire, en fait, euh, avec euh, d'autres euh, podcasts. Entre autres, il euh, y a euh, nos amis français de On Refait le Mac qui sont maintenant diffusés sur Mac Québec. Donc, si vous voulez plus de podcasts Mac, euh, eux euh, sont, sont, euh, euh, sont très intéressants à écouter. C'est des discussions sur comment va Apple, qu'est-ce qu'ils pensent, tout ça. Il euh, y a aussi nos amis Philippe et Philippe du Cacao Cast euh, qui nous diffusent ou qui nous envoient euh, des, euh, des capsules. C'est euh, très, très pointu, surtout porté sur le développement. Et il y a l'ami euh, Mathieu Marano du Front Créatif de Montréal qui fait le, le podcast euh, euh, Mon Studio au Canada. Je les... parle plus de montage vidéo, mais... Euh, mais bon, j'aime bien, manque. les capsules de cacao c'est vraiment intéressant, même pour le monde qui font pas de développement, parce que ça nous permet vraiment de comprendre justement c'est quoi ces nouvelles Exactement. choses Exactement. Très bien expliqué. Euh, widget dans le Notification Center sur euh, iOS maintenant. Ah. ah, donc les développeurs vont pouvoir intégrer ouais, ce les widgets du, dans le Notification Center. On voit ESPN là, comme ouais. l'exemple avait été donné là, pour... Euh, ben, la, celle qu'on désactive tous à l'ouverture euh, d'un nouveau iOS, celle de la bourse. Mm -hmm. De la température, on s'en fout un peu. Donc, les applications, vont pouvoir avoir un module euh, supplémentaire qui est un widget. Donc, c'est intéressant. Au lieu juste de se fier aux notifications qu'ils nous envoient, on va pouvoir avoir vraiment l'écran en temps réel là, de l'application ou mm -hmm. du moins quelque chose de similaire. Genre de voir quelle liberté les développeurs d'applications vont avoir là, sur ce point-là. On va voir là, un aperçu là, plus en détail de. Wow! Si tu prends une photo à partir de ton de ton, de ton application photo, tu veux l'envoyer, mettons, dans, ça fait euh, what, euh, une peinture euh, à l'eau. Quand tu fais done, la photo revient automatiquement. Dans le cloud? Non, elle revient automatiquement dans, dans la photo. Ah, OK. Fait que tu n'es pas obligé de l'exporter dans ton, dans ton Camera Roll. Fait que, euh, ça, c'est le point. Ouais. c'est probablement quelque chose que les applications vont devoir intégrer avec un des nouveaux API. Ouais, Donc, c'est euh, pas ouais, toutes les ça, applications qui vont être. C'est les API, c'est ça. Okay. Comme là, c'est le. Les, euh, les widgets là, ah, sont sur okay. une notification là. Est-ce que tu peux vérifier s'il y a encore du son? Parce que dans le chat, on dit qu'il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Test. Non, il n'y a plus de son. Hmm. Un, deux. Mais oui, j'ai du son. Juste avec il y a du son. Non, j'ai pas de son. Oui, il y a du son. OK, on confirme qu'il y a du son. Moi, je n'ai pas de son, là, mais. Il faut parler pour qu'il y ait du son. <laughs> C'est ça l'affaire. Ça ne fait pas de son si on ne parle pas. Les écouteurs ne sont pas branchés. C'est C'est donc, déjà, 2h30 de passer dans cette diffusion. Euh, 1h30. Euh, Bien, nous, euh, 2h30. Oui, ouais, c'est ça. C'est 2h30, mais pour le, 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 la présentation, c'est déjà 1h30. On avait annoncé déjà 2h. Euh, ça fait 2h21 minutes et 6 secondes que nous sommes en ligne. <laughs> ça, mais il reste une demi-heure d'annonce en tant que telle. Là, pour, euh, Normalement, effectivement. Mm -hmm. Ils n'ont même pas parlé de, du, du iPhone 6 là, encore, là. Ils n'en parleront pas. C'est euh, en octobre, c'est en octobre, vont mais ils vont l'annoncer en septembre avec les modèles de Puis, Ce serait drôle qu'ils annoncent des nouveaux iPod Nano qui n'ont pas annoncé en septembre. <rire> <rire> Ou des iPod, iPod Touch là, plus là, qui n'ont pas été mis à jour en septembre. Ce serait drôle qu'ils mettent ça à jour à l'automne, maintenant, juste pour euh, mélanger tout le monde. Ben, les, les e macs euh, pourraient être revus. Ça serait oh, pertinent. Mon Dieu. Quoi? Le clavier. Euh... Ah, euh, ah. avec. Euh, ouais. Le, le, comment ça s'appelle? le sou, sou, euh, ah non, on peut int intégrer des nouveaux claviers. C'est ça, on va pouvoir changer le clavier du système. Excellent. C'est ça qu'ils disent. Possible. Vous pouvez nous le dire sur euh, sur le chat? Ouais, je pense que c'est ça. Le key, Keyboard system wide Ouais. Et puis on a le Touch ID API qui va sortir, donc les développeurs vont avoir accès à Touch ID. Moi, euh, que question sécurité euh, ou, ou de non sécurité, j'utilise une application qui s'appelle Knock depuis euh, quelques temps. Mm -hmm. Elle a été revue la première fois que je l'avais essayée, ça fonctionnait pas très bien, mais maintenant elle répond très rapidement. Ça me permet de au, plutôt que de rentrer mon, mon mot de passe euh, avec euh, le clavier. J'ai qu'à tapoter sur oh, oh, oh. le téléphone. Oh, On ouvre le Touch ID comme oui. API. Oui. Ben, moi, j'ai l'impression que la communication va se faire entre le serveur d'Apple, puis tout, la seule réponse qu'il va y avoir, c'est oui ou non. Non, c'est Les développeurs n'auront pas accès là, à... Donc, ça protège le fingerprint data, le, 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 les, les empreintes digitales. Euh, ça peut euh, débarrer des items du keychain, mm -hmm. donc euh, plutôt qu'à d'avoir à rentrer son foutu mot de passe tout le temps, on le rentre avec euh, le truc. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire une application de mot de passe par exemple one password pourrait intégrer ça c'est-à-dire j'utilise one password doit intégrer ça doit intégrer. Pas pour intégrer ça <laughs> doit intégrer ça donc j'utilise le, le capteur d'empreinte digitale de mon iPhone pour débarrer sur mon ordinateur euh, différents sites web ça ça serait vraiment ah. intéressant homekit oh, caméra ip Mira API. Euh, et on me dit API. le Snapchat chat que euh, L'action la, la d'Apple de, 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 de est en train de baisser. De, elle a perdu 6,42 depuis oh. le début de la conférence. Acheter, Vite. acheter. Elle est en train de baisser. Elle, elle est à 1,03%. Mais à quoi, à quoi les gens s'attendaient Les gens s'attendaient. C'est une gang de caves là, qui font des spéculations et qui s'attendent à ce qu'il y ait un lancement d'iPad et d'iPhone aujourd'hui. Mais on le savait. Non? Mais de, tout, de toute façon, après chaque présentation d'Apple, l'action descend un peu. C'est un ça. mouvement normal. Mm -hmm. Puis dans trois semaines, elle va avoir pris, euh, je ne sais pas combien de sa valeur. HomeKit, il est là. Oui. Avec euh, QuickSet. Quick Donc, c'est une, euh, une barreure euh, pour, euh, pour la maison qui peut se contrôler avec le iPhone. Et là, on montre que iDevice, iHome, Sylvania, Cree, Chamberlain, Honeywell, le... C'est ça. C'est toute une liste de compagnies avec qui Apple travaille pour créer un protocole réseau commun à toutes ces applications-là. Parce que là, là présentement, tu as Philips qui a un dongle spécial pour les ampoules, tu as euh, iHome qui a un autre dongle spécial pour ses devices, puis ainsi de suite. Mais là, ça pourrait tout être intégré dans le même protocole. Tu aurais besoin d'un dongle pour toutes ces marques-là. Donc, l'automatisation <laughs> qu'on parlait au début du show. Mais avec intégration Siri. C'est ça. Exact. Donc, euh, ouvre la porte Siri. Clique, clique ou Siri, hey, « j'arrive à la, Siri. J'arrive à la maison. Non, Hey Siri, ouvre la porte. Oui, Hey Siri, j'arrive à la maison. Les lumières s'allument, la porte se débarre, euh, la cafetière part ou je sais pas mm. ou euh, la télé donc, des euh, enfants se ferme et c'est marqué, c'est le temps de faire les devoirs. C'est ça. Yeah, j'aime ça. Cloud Kit. Donc beaucoup de, 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 de kits qui sont dévoilés par Apple pour aller euh, pour que les, 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 les développeurs puissent aller taper là dedans puis être encore mieux intégrés parce que les applications d'apple, c'est leur grande force, c'est d'être intégrées dans le système, mm -hmm. si on est capable de donner cette puissance là aux développeurs d'applications. c'est sûr que ça va être vraiment intéressant. you get a client-side programming model that lets you access icloud authentication, storage, search, etc. cloudkit is free with limits, et gratuit avec certaines limites. Hmm. Peut-être que présenter comme ça, euh, c'est pas très sexy pour le commun des mortels actuellement, là, mais mm -hmm. vous allez voir de grands changements euh, arriver à cause de ça. C'est vraiment une, une maturité, je trouve, que ouais, la Ce présente. C'est pas, pas des changements qui vont être intégrés dans iOS, c'est des changements que les développeurs vont intégrer dans leur application et qui vont rendre des applications beaucoup plus puissantes là, que Exactement. ce qu'ils sont présentement. Quelque chose d'immense dans le domaine du graphique 3D. Ils appellent ça Metal. Comme vous le savez, OpenGL est un standard euh, qui permet d'afficher les graphiques 3D sur iOS. Mais euh, OpenGL arrête C'est un niveau très épais euh, de, 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 de dialogue en fait, euh, qui, qui doit être implanté. Donc Metal est probablement là pour diminuer ça. Euh, cet overhead-là est dramatiquement réduit. Donc, on parle de quelque chose qui est semblable à AMD Mental ou même à DirectX 12. Là. Si c'est ça, ça va être malade. Ça va être cool. mais ben, du... Je comprends rien. Non, 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 <laughs> je sais. Non, non, mais parce que, parce que du DirectX, là, tu peux faire jouer du, du, du Unreal Engine 4 là-dessus. Là. Tu sais, le, mm. le DirectX 12, là. Donc en fait, c'est un graphique assez, euh, assez clair. On voit la puce A7. Par-dessus, il y a le layer OpenGL qui est très épais. Euh, puis je vous parle en termes de lourdeur de code. Et le jeu qui vient s'installer par-dessus ça. Avec Metal, cette composante-là est, est réduite euh, à, de façon assez incroyable. Donc quand on parle de, 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 de réduction, ça veut dire qu'il y a plus de ressources ultimement. Qui vont être disponibles pour. Euh, l'engin euh, Crytek, qui est à l'écran. L'engin Crytek, c'est le. C'est l'engin le plus lourd. C'est le plus lourd qu'il y a à gérer. Là. Ça fonctionne sur un iPad Air, qu'on voit. Là, ça, c'est le Plan vs Zombie uh, Warframe, je Warframe, pense. Ils ont fait ça en 3D, hein? c'est capoté. Ils ont fait ça en 3D et, c'est d'après moi, c'est du in-game qui roule nativement sur un iPad actuellement. Ou c'est peut-être la version Xbox ou Xbox One parce que euh, c'est sorti sur la Xbox One, okay. ça s'en vient sur la PS4 euh, à la fin de l'année. ça doit s'en venir sur l'iPad aussi ça. IPad, là, si ça euh... ça c'est le Crytek ça. C'est assez impressionnant là, comme euh, niveau de graphique. Ça sera probablement pas compatible avec tous là, les appareils, là, probablement euh, avec les appareils les le plus le récents. A7. C'est sur le A7, sur ça, le A7 donc c'est les deux derniers iPads ouais. et mm -hmm. le dernier iPhone. Tim Sweeney de Epic Games va venir présenter, attendez, Infinity Blade Infinity 4. 4. Le 2 était gratuit cette semaine, je pense. C'est map of the week. Donc, c'est une des autres éditions là, du WWDC. On a la chanson de Coldplay avant que la conférence commence. Puis, on a le Infinity Blade là, qui est présenté. Ou un jeu de chant Tout à fait. C'est ça. Mais sou plus souvent, l'Infinity Blade. Ouais. L'Infinity Blade est plus souvent présenté pour les... les euh, quand on parle du graphisme, les ça. jeux d'auto, c'est plus quand on veut parler de Airplay ou euh, ouais, des, ou des du intégrations. De de mouvement Regardez, sur l'iPad. Ça, c'est du vrai Metal sur l'iPad. C'est vraiment impressionnant. C'est malade. La dire que Steve Jobs ne voulait pas vraiment qu'il y ait des jeux de vendus sur son appareil. <laughs> Maintenant, en fait, on le sait, la, 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 la bibliothèque de jeux euh, de, de, Disponibles sur iOS. Euh, en fait, aux dernières nouvelles étaient plus impressionnantes que toutes les consoles réunies euh, à partir de la Nintendo. Par contre, euh, la, la, ce qu'il y avait sur Atari, c'était encore plus gros. Mm. Mais dans le temps, ils développaient des cubes. C'était pas difficile. C'est malin. Il y a des poissons dans le. Dans le... Non, non, c'est les, 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 euh, les pétales de lampe. Ah, OK. Là, c'est les poissons. Oui, c'est ça. C'est magnifique la on qualité voit, de l'eau, on voit euh... vraiment il est en train d'utiliser son iPad là, pour s'en servir, donc c'est pas un démo euh, préenregistré. Non, puis il fait suivre euh, tous ces poissons-là qui se déplacent euh, en temps réel. Wow! Est-ce que c'est l'application du jardin zen qu'on avait qui était comme complètement refaite en 3D? Ça va être <laughs> pas mal plus intéressant de même tant qu'à moi. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ils disent que euh, l'image de, de l'image de, de poisson qu'on vient de voir, Metal libère tellement de ressources euh, de, 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 de computation mm. qu'ils ont été capables de donner une intelligence à chacun des poissons qu'on a vu à l'écran, qui, qui, qui font comme il y a une, art, y a une intelligence nope. artificielle et c'est non pas un pattern qui est euh, fait pour, pour le, mm -hmm. le, 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 le pool de poissons. Chaque poisson est indépendant. C'est très beau. Ouais. Vraiment. Prends ça. Euh, attends, c'est quoi les consoles portables actuellement? Là, la, pas la N-Gage, mais la PSP, nouvelle. Puis, euh, la Vita. PS, la Vita. Vita ouais. Mais euh, la, 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 la console, la Wii, là, là, euh, la console qui s'ouvre de ah, Nvidia. Nvidia. La Shield. Shield, mm. ouais. Où il y a des technologies semblables dans la Shield, puis c'est juste que Apple est capable de mieux euh, les marketer. Là, mais ben, là. La Shield, c'est la Tegra 3, je pense, qui est à l'intérieur du mm -hmm. euh, processeur. même 4, non? Ah, app... Je pense qu'ils viennent de dire que l'application va être gratuite pour... Euh, pour c'est un genre d'application ouais. de démonstration pour les gens qui veulent l'essayer. Donc, on continue encore. Là, un autre euh, kit là, de développement là, là, graphique, Sprite Kit. Il reste quand même 15 minutes à la présentation, au moins 15 minutes. Hein? Mm -hmm. Est-ce qu'on irait manger une bouchée après, messieurs? Oui, on n'est pas loin de la station des sports. Non, c'est pas là qu'on <laughs> va aller. C'est pas euh, la pire euh, review Yelp que tu as jamais faite de ta vie euh, à la station des sports T'as pas menacé, as pas menacé Moi, de me mettre le moins, feu je me sers moins souvent, de Yelp. Oui. Mais j'ai déjà fait un review sur TripAdvisor qui m'a valu une nuit gratuite dans une suite à Burlington. Nice! Donc, euh, je pense que je ne sais pas si euh, le nouveau euh, Flapbird, Flybird va être retardé. Flappy, Flappy Bird, Flappy burn, bird ouais. va être retardé. Il va être pour complètement aller. en 3D avec Metal. <laughs> puis, euh, tout tout ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Un gros changement. Xcode 6 qui s'en vient. J'ai vu des affaires. Là, ça va être puissant là, ce qu'ils vont faire dedans. Là. Excellent. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont en train d'annoncer présentement. C'est sûr qu'on va qu'on va inviter dans les prochaines semaines euh, en fait on devrait faire une table ronde des, des, des développeurs euh, tu une émission spéciale ben, ou fun. on chose. fait souvent ça l'été d'ailleurs les podcasts oui. Dans un terme en particulier on devrait faire une table ronde des développeurs là, trouver là, quelques développeurs là, qui peuvent ben, venir, Pierre, et... Pierre Rochon, Frédéric Brunel, mm -hmm. euh, euh, François euh, François Prou de Passbook euh, pa, oui, Passbox, Passbou Passbox. Password Box, Box ouais. qui est développé à Montréal Quoi? Ils vont sortir Objective-C, mais pas de C. OK. <laughs> ils, ont, ils, ont, ils viennent de. We have a new programming language. Ils viennent de sortir un nouveau programme, de, euh, un langage de programme. Qui s'appelle Swift. Mon Dieu, on dirait un Phoenix. Puis ça rule. En fait, c'est une. Euh... Fast, Modern, Safe, Interactive. Objective-C est plus rapide que Python, mais Swift est encore plus rapide. à voir, ça va être plus simple que. Objective-C. Hein? Oui, ça va sûrement être dans le même style, là, mais. On va, euh, on va inviter M. Python de Montréal. Euh, euh, son nom de famille m'échappe, c'est Mathieu. Ouais, on va se faire une table ronde de développeurs, je pense. Mm. pour inviter euh... c'est intéressant de venir tout démêler ça tout euh, expliquer euh... puis quand même être autour pour leur dire écoutez on comprend plus ça fait cinq minutes <rire> reviens on va recommencer <laughs> ça mais plus là, là sont... les développeurs là, sont en feu là. sont, sont, sont ouais, en ouais, c'est là, là, déchirer ça. Leur là On ah, ouais. se rend compte que c'est tous des développeurs ah, là, ouais, ça, folle, ça, 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 ça capote, là, ça capote excellent Sauf euh, deux, trois, on en a vu en avant. <laughs> des gars de Blackberry qui pleurent. <laughs> Ils ont gagné les, leurs billets, mais ce n'est pas vraiment les développeurs. Là. Catch pas. Euh. J'ai vraiment hâte de voir là, les, les applications on vient qui vont dans sortir le... dans la prochaine année. Oui. On s'en vient dans le aride. Hein? D'après moi, il n'y aura plus trop trop d'annonces. Euh... En tant que tel, là, euh, à moins qu'il y ait un One More Thing qui décide de tirer, mais c'est pas mal ça. À date, ce sont de très bonnes annonces. Mm -hmm. Moi, je trouve que c'est... Ça, ça ben, donne... Parce que nous, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de hardware d'annoncer. Ouais. On s'attendait à ce que ce soit juste du software. Mais j'imagine que les gens le, qui s'attendaient à changer leur iPhone la semaine prochaine vont être déçus. Ouais, Comme mais... à chaque WWDC. Là. C'est qui ce monde-là? Quand... C'est ceux de la Bourse. Ouais, C'est ça. ça. <laughs> qui vivent là, dans l'univers parallèle de la Bourse, qui voient juste des chiffres là, partout. Ça ressemble à une hirondelle, euh, l'oiseau. Ouais, C'est ça de Swift. Donc, lui va y avoir une démonstration d'écriture de code Swift, là, qui n'est pas vraiment quelque chose là, qui est, euh qui nous intéresse, aride. qui est intéressant à décrire J'imagine que si on serait des développeurs, là, on serait la, la bouche grande ouverte en face de l'écran mais... tout à fait. On voit Xcode qui reprend un petit peu l'interface de on le voit plus mais on qui reprend l'interface de Spotlight là, au centre de l'écran, mm -hmm. de hum. avec en fait, a la a même, même taille Safari Oui, c'est ça. On, voit, on, dirait, on dirait un peu Dreamweaver avec euh, la, le preview, le oui oui a un preview à côté. Oui, compté, oui, oui. oui euh, on a fait un « Hello WWDC au lieu de faire un « Hello World uh ». -huh. Le, le gars raconte plein d'affaires que de toute façon, on ne comprendrait pas ouais, si euh, on l'écoutait. Peut-être faire un petit recap de ce qui a été annoncé Oh, il y a beaucoup, euh, oui. Euh, bon, Dans iOS 8, on a, euh, bon, a d'abord euh, iCloud, euh, iCloud Drive, iCloud Drive qui, a été, euh, qui a été annoncé. iCloud Drive qui va fonctionner un peu à la Dropbox entre iOS et OS X. Des nouveaux plans aussi au niveau de iCloud qui ont été annoncés, qui sont très abordables. On parle de 3,99$ par mois, 4$ par mois, donc moins d'une cinquantaine de dollars. Par année pour 200 gigs euh, d'espace. On a euh, des améliorations au niveau du clavier euh, mm -hmm. avec euh, quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on a sur BlackBerry. On a aussi la possibilité de changer les claviers euh, sur, euh, sur iOS. Peut-être que BlackBerry, s'ils veulent faire un coup d'argent, ils vont ils développer vont leur, leur clavier, clavier. puis ils vont le vendre 100$ sur iOS. Pis... <laughs> Ou, ou 99 cents. Ils vont devenir aussi gros qu'avant, hein, <laughs> juste en vendant des claviers 100$. On va pouvoir développer des claviers. Moi, une des choses que je trouve qu'Apple aurait pu faire depuis longtemps et qu'ils n'ont pas fait, c'est la possibilité de changer les voix du GPS. Il y a ça sur toutes les GPS. Tu bien, peux mais acheter... mais Oui, tu peux t'acheter la voix de ah. Simpson à 20$ pour TomTom. Ah. temps ouais, ou d'Optimus Primus, mm -hmm. qui te parle et qui te ben, dit de tourner bien, à gauche, à droite. Ça aurait pu être intéressant. Si on fait les sonneries, moi, je serais prêt à acheter pour euh, 4,99 voix, voix. Genre la voix de Bob Hartley, comme dans le sketch de François Pérus. <laughs> François Pérus pourrait faire des voix. Ouais, ouais. Tourne à droite! Je t'ai dit de tourner! Ah, Qu'est-ce que ouais. tu fais? <laughs> Effectivement, ça serait Ce serait vrai. plus une distraction qu'un aide à la conduire, <laughs> par exemple. Il paraît qu'en en Allemagne, en fait, euh, quand tu écoutes ton GPS puis que tu tournes pas quand il te le dit, il est comme brusque avec toi. Ah, T'sais, OK. Comme le, un peu la, la même. Euh. C'était quand même une est -ce, grosse est -ce, euh, démonstration oui. là, de Xcode. Ben, Est-ce est qu'on a eu euh, TextEdit? et. Euh, on n'a pas eu TextEdit, on n'a pas eu non, Preview non. Euh, dans non, iOS, Non. Quand même, je regardais un petit peu le, le, le Swift c'est vraiment ce qui va remplacer l'objectif c ça a l'air beaucoup plus simple. On dirait que tu a beaucoup moins de commandes à faire mm -hmm. pour faire le même résultat. Puis d'avoir justement un preview directement en codant. Oui, avant, c'était une fenêtre qui s'ouvrait supplémentaire. Là. Pour mm -hmm. le même, un graphique de la valeur de ta variable là, selon la progression. Selon des gens dans le chat, Swift serait le produit fort de, de, du, du truc parce qu'on s'entend que, que c'est une conférence développeur. Donc, c'est mm -hmm. vraiment. Pour les gens qui sont assis dans la salle, là, toutes les nouveautés dont ils ont parlé, c'est bien le fun, c'est bien cute, mais ça, ça. c'est le shit. Mm -hmm. D'après moi, c'est Dr. Dre qui va venir terminer ben, moi, le. D'après le, moi, l'appel le, qu'il y a eu tantôt, c'est la seule mention qu'il va avoir de ouais, Dr. Dre. Ouais. Okay. Là, il nous montre. Euh, la, regardez, c'est ce que ça donne. Euh à la, à la toute fin. La programmation qui a faite. Mmh. Mmh. Ça l'intègre, les deux derniers là, kits là, qui ont annoncé, le Sprite Kit et Scene Kit. Parce qu'évidemment, plus ils sont capables de diminuer le nombre de lignes de code que les développeurs. Utilisent, ben, plus les développeurs vont pouvoir soit euh, implanter des nouvelles fonctionnalités ou mm -hmm. euh, ça va être des applications qui vont être beaucoup plus légères. Ça, donc là. Apple rend moins complexe l'utilisation en sautant les étapes, puis rend moins complexe la programmation en enlevant des lignes de code, puis en permettant aux développeurs d'intégrer plus facilement les, les API. Le mot d'ordre ici est simplicité. Simplicité, c'est ouais. ça. Autant pour l'utilisateur que pour le développeur. J'imagine que... On s'en ligne vers une intégration iOS avec le OS. On veut que les développeurs commencent à utiliser ce langage de, de programmation là pour en venir ah, à une intégration. Je suis pas sûr qu'il va avoir une intégration, mais peut-être éventuellement des applications universelles Universelle. sur l'ensemble euh, du, du du système. Donc très très simple pour l'iPhone. Un peu plus complexe, avec plus d'informations de, de, à l'écran pour l'iPad mm -hmm. et une application full-fledged euh, intégrée pour euh, pour euh, OS X. Oui, effectivement, ça pourrait être intéressant. Parce que à date, les commentaires de Apple sur une intégration des deux OS, T'sais, au niveau du look, oui, c'est correct, parce que bon, ce qu'on voit sur l'iPhone, on veut que ça ressemble sur le, sur le OS X, mais de contrôler son ordinateur avec du touch, pas, euh, pas vraiment iOS 8 va être compatible avec tous les appareils sauf l'iPhone 4. Donc, 4S. Tous les appareils sont l'iPhone 4. Ouais. Donc, 4S, 5, 5S, 5C. iPad, euh, iPad 3. 2. iPad 2 et plus. L'iPad 2 est là. Excellent. L'iPad Touch 5e génération. Cool. C'est quand même impressionnant. Il y a une petite twist euh, dans, le, dans le 8, euh, où c'est la couleur qui fait ça, mais... Euh, je sais pas, ça... ça... Ouais, on dirait qu'ils se communiquent pas. Ouais. Ouais, ça doit être la couleur, l'effet que ça fait avec la mm -hmm. couleur. C'est vrai qu'il a l'air croche. Oui. Ouais. Hmm. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Ils sont en train de faire une récapitulation. De... Ils disent que c'est plus, le plus gros release, ils disent tout le temps ça, de iOS depuis l'introduction du App Store. Mais ben là, avec la nouvelle euh, fonction de, de, de codage, euh, si ça va remplacer Objective-C, c'est viable, c est, c est à quelle année, ça cananise. Objective-C, c'est C'est au moins depuis. Ça euh, doit être vieux, ça, depuis mm -hmm. que le monde est monde. Bon, je ne penserais pas. Là, <laughs> ça, Tim Cook vient de résumer là, les annonces là, comme quoi ça permet là, de que le système mobile et puis le système d'exploitation des ordinateurs fonctionnent en harmonie, là, oui. vraiment les deux ensemble. Là. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres choses d'annoncer ou si ça fait le tour des, euh, des annonces de Cook qui est encore en train de parler. Non? Ça ressemble à, à une fermeture de présentation. Mm -hmm. Ils disent qu'ils sont capables de faire une expérience qui continue, là, peu importe la plateforme, que c'est juste Apple qui peut faire ça, là, vraiment. Il y avait quelques personnes sur le stage ce matin, mais des milliers de personnes ont pu rendre ça possible. Pour notre part aussi, il y a quand même certaines personnes qui ont pu rendre ça possible. Donc, on vous passe quelques petits messages publicitaires, le temps de reprendre nos esprits. Avez-vous déjà eu un accident avec votre appareil Apple? Un bris de vitre, tombé à l'eau ou même passé dessus par une voiture? Vous pensez qu'il est irrécupérable ou non réparable? Chez iRepair Montréal, on aime les défis. iRepair Montréal est la référence pour tous les produits Apple. Pièces et accessoires de haute qualité et un service professionnel hors pair. Nous faisons même la personnalisation de votre appareil pour le rendre unique. iRepair Montréal, 1184 ou Sainte-Catherine-Ouest ou au iRepairMTL.com. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast MacQuébec par courriel podcast -mac par Twitter @macquebec, ou sur la boîte vocale au 1 877 561 2357. Besoin d'aide pour votre réseau informatique Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site Web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme sans les pépins. Mac Québec, le podcast. Donc, on est de, de retour en studio. Pendant qu'on vous passait les messages publicitaires, en fait, euh, c'était pas deux heures, c'était une heure cinquante-huit et quelques secondes. Donc, euh, très, très près du deux heures. Euh, somme toute, une, une, une présentation qui, euh, euh, qui est restée fidèle à elle-même, c'est-à-dire, c'est une conférence développeur. On a parlé de logiciels, on a parlé de iOS, on a parlé d'OSX et on a parlé de programmation. Euh, vous êtes-vous content des, des, des nouveautés annoncées est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas été annoncés vous êtes déçus? moi je pense que ça va être une très bonne année là, pour euh, surtout les applications moi c'est ce que, ce que je m'attendais à la conférence je n'avais pas des attentes là, supérieures à ça là. je savais là, que ça allait ressembler à ça Effectivement. je suis vraiment là, satisfait de ce qui a été annoncé là, puis j'ai vraiment hâte de tout pouvoir essayer dans les fonctionnalités puis de changer ton ordinateur Jean-François ouais, ouais. <laughs> euh, moi j'aimais ça oui j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les nouvelles engins de programmation, parce que ça va être mental avec le prochain téléphone, tout l'affaire-là. Moi, c'est surtout euh, OS X que je m'attendais à beaucoup. Oui. Peut-être un petit peu déçu. Ouais, il y a un manque de fonctionnalité. Manque de, je pense. Je pensais qu'il irait plus profond dans le système, comme sais, avait fait l'année passée avec euh, 10.9. Il avait oui. été cherché ça profond. Vous nous montrez que euh, le nouvel engin graphique qu'ils ont mis à l'intérieur euh, au je ne me plus du nom, euh, sont capables de, de, de faire baisser surtout la, la, la dimension de la mémoire que l'ordinateur euh, utilise. The memory collapsing, ouais. tout euh, ça. Hum. la batterie aussi. Euh, mais cette année, on, on dirait que c'est vraiment juste euh, relooking et quelques mises à jour de logiciels, mais d'attendre. Je m'attendais à plus que ça du côté... Euh, C'était plus euh, OS X que je m'attendais que iOS 8, parce que iOS 8, on savait que ça resterait pareil. Là. Ils l'ont changé l'année passée, ils ne le changeront pas cette année. Là, en fait, clair, le, le gros morceau qui, qui comprend les deux, c'est vraiment euh, d'avoir de, 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 là euh, mis un, 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 comment ça un compétiteur euh, qui semble honnête vis-à-vis de -vis Dropbox. Je pense que c'est le gros morceau qu'on voir. Ouais. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais. J'espère qu'il va l'être tantôt là, quand que les, les versions bêta vont être disponibles. Ça devrait être dans à peu près une demi-heure, 45 minutes, 1 ça. Puis euh, j'ai hâte de voir si euh, ça va être fonctionnel en partant. Fait que si on va pouvoir acheter tout de suite notre 200 Go par mois. Ah oui, ça serait bien. Toi, euh, Bernard, qu'est-ce que tu retiens euh, de la présentation? Bien, euh, Quelques demandes que les gens ont. Ont formulé d'avoir plus d'espace dans le iCloud, d'avoir un iCloud Drive, c'est bien. Euh, nouvelle fonctionnalité iOS, des choses que les gens demandaient, il y a des choses qu'on n'a pas retrouvées, mais il y a des choses qu'on retrouvait chez les compétiteurs ou dans le Jailbreak qui sont intégrées maintenant à l'intérieur du iOS. Très intéressant. Et on sent que Apple prépare le terrain pour l'avenir, pour le prochain système d'exploitation. On veut que les développeurs développent sur le, nouvel, le nouveau langage de, de, de programmation qui s'appelle Swift. Et j'imagine que, comme on le disait tantôt, une intégration plus complète entre tous les appareils Apple, que ce soit des appareils desktop, que ce soit des appareils mobiles, il va y avoir des applications qui vont rouler sur tous les appareils. Et d'autant plus qu'on entend parler beaucoup de rumeurs que Apple veut retourner sur un processeur ARM. Et j'imagine que le processeur ARM va rouler sur tous les types de machines. Que Apple J'ai hâte offrir. de voir s'il va y avoir des... Euh Peut-être des indices de ça dans euh, le Xcode et dans, euh, dans Swift de voir mm -hmm. s'il va y avoir de la petite Ça sera pas là. Oui, ça ça dès que ça, ça sort, ça va peut-être analysé. On système, va voir ça va Le euh, système OS 11, là. on va être sur Swift, c'est mur à mur, sur mm -hmm. des processeurs ARM, ouais. etc. Apple met un... vraiment la table. Je suis en train de me demander s'il si va y avoir un OS 10.11 ou bien si. Euh, ça ça va, va être un là. iOS Mac. Oui, ça va vraiment être le même système sur les deux. Là. On prépare la table, c'est exactement le bon terme. Mm -hmm. mm. Excellent. Euh, écoutez, euh, on, on, d'abord, je veux euh, vous remercier, messieurs, euh, parce que euh, euh, votre motivation sans faille et euh, votre dévouement a fait euh, cette euh, de, de, de cet événement. Quelque chose de, de, de possible. Euh, vous avez travaillé fort, on l'a vu, euh, autant, euh, autant pour aller chercher l'information, autant pour euh, développer Mais la page. On ne nous a pas vu essayer d'installer le switcher avant non. la conférence. Ça aurait été le fun que ce soit diffusé, ça. Ça, euh, effectivement, <laughs> on s'est retrouvé avec un équipement complètement nouveau. Euh, euh, en fait, on est arrivé ici à 9 h. Puis, euh, on, on a plugué, on pensait que c'était plug-and-pre. Puis, ouais. euh, il, euh, il a fallu aller fouiller un peu, mais finalement, on a réussi. Ah, on est plug bien content. C'est ça, oui, c'est ouais, ça. ça, exactement. <laughs> euh, donc, on est bien content de, 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 de la présentation qu'on a pu vous faire. J'espère que vous avez remarqué qu'on essaye à chaque fois de relever le niveau de, de, de qualité de, de ça. Euh, effectivement, comme JF comme le disait, là, on est rendu euh, à utiliser là, quand même euh, quelques milliers de dollars de. de oui, de... ouais, qu'est-ce qu'il y a Déjà disponible. Oh, Excusez, pardon. On oh télécharge même. ça, on a la bande passante qu'il faut ici. Oui, oui. Euh. <laughs> Mais euh, on a aussi fait des, des tests à, à, à l'intérieur de la page Web aussi, euh, le live blog, le chat euh, traditionnel. Effectivement. En faisant la diffusion. Ça, si vous avez oui, des commentaires à faire, nous faire, on, on aimerait voir euh, si vous avez aimé ça également. On, on remercie les gens qui sont, qui sont, qui sont venus euh, nous, écouter. nous écouter en direct, les gens qui ont participé à l'intérieur du chat également, et bien sûr nos commanditaires, nos partenaires euh, euh, de l'événement. On les remercie également de leur soutien. Effectivement, il y a l'INIS qui nous a reçu dans ses locaux et nous a prêté euh, beaucoup de matériel, faut le dire. Euh, il y a iRepair Montréal euh, qui euh, nous soutient euh, aussi. Donc vous avez entendu euh, la publicité euh, le long euh, du, du, du podcast. Je pense qu'on a eu moins de publicité que les années euh, les années passées. C'était mieux euh, mieux réparti. Mieux réparti, ouais, tout ouais. ça. Euh, ClickPom qui nous a prêté du matériel, euh, 3DI aussi qui euh, nous a prêté du matériel de diffusion euh, et euh, on avait besoin de, de, de pièces, donc ils nous ont prêté ça. Euh, et euh, on va voir qui c'est qui va nous payer la bouffe. <laughs> on en parlera au prochain podcast. Messieurs, euh, vous n'avez pas fini. Nous, on va défaire, euh, défaire le truc. Mais euh, ouais. vous, vous faites euh, votre présentation, l'aftermath ce soir, l'après-match. Effectivement, moi et Jean-François, on va euh, animer ce soir l'aftermatch. On va justement emmagasiner, euh, dé débriefer un petit peu euh, toutes les annonces qui ont lieu qu on, qu on aujourd'hui. On va vous présenter un podcast spécial ce soir 20h, toujours sur le site de Mac-Québec. Donc, Mac-Québec en direct. On va diffuser ça en direct ce soir 20h. On a un invité également, Benoît Chamontin de Geeks&Com qui va être avec nous pour euh, donner un autre point de vue également. Euh, et euh, tout ça, bien, ça va être ce soir. Ça dure environ une heure, une heure à deux heures. On va voir. On a beaucoup de choses à, à présenter. Donc, on vous invite ce soir 20h sur Mac-Québec. Pour, euh, pour notre part, en fait, c'est le dernier épisode euh, officiel euh, de la saison. Euh, on prend relâche, en fait, de notre diffusion habituelle euh, pour euh, l'été. Par contre, on va faire des émissions spéciales en été. On l'a dit probablement, une émission spéciale avec euh, une table ronde, euh, table ronde pardon, avec euh, des, des développeurs et euh, une, autre, euh, euh, une autre émission autour d'un barbecue, peut-être une émission en public. Qui sait euh, où est-ce qu'on vous inviterait à, à venir manger des hot dogs avec nous? Ça pourrait être vraiment cool. Mm -hmm. euh, donc, euh, on est en train de, de regarder ça. On reprend en septembre pour ce qui est de la diffusion officielle. Et euh, en septembre, en fait, euh, on est en train de travailler sur quelque chose qu'on va, euh, qu va faire pendant l'été. On va monter ça. Et euh, on devrait avoir quelque chose à, à, vous, euh, à vous présenter de, de nouveau, très, de très, rafraîchissant. Très intéressant. Très intéressant euh, en, septembre, euh, en septembre prochain. Euh, pour, ce qui est, euh, pour ce qui est du podcast. Euh, on ne vous en dit pas plus, mais on vous le mentionne quand même parce qu'on veut se mettre la pression et un peu l'obligation de, de, mmh. de le faire. On pourrait rester aussi dire... vague que ça, fait que ça pourrait être vraiment un changement majeur ou bien on pourrait changer de couleur des T-shirts. Tout à fait. Voilà. <laughs> bien dit. <rire> <rire> ben remarque qu'aujourd'hui, on était. Deux bleus contre deux noirs. Hein? Mm -hmm. Ben oui, c'est vrai. <laughs> voilà. Euh, D'ailleurs, je me suis fait passer la remarque que, que j'étais vraiment cheap de ne pas avoir mis le T-shirt de Mac Québec. J'ai mis mon, mon, ma chemise euh, euh, Apple Consultant, mm -hmm. euh, que j'aime bien et qui est à peu près le seul morceau de vêtement qui me fait puis que j'ai pas l'air trop tête dedans. Moi, je euh, n'ai pas eu. Euh... Le T-shirt Mac Québec. Non, non. on ne ça chez Clickpom, on t'en donnera un. Sinon, je vous remercie beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Euh, vous pouvez télécharger les podcasts passés sur iTunes, nous laisser euh, des, des commentaires sur iTunes, poser des questions euh, sur le forum Mac Québec et suivre l'actualité, évidemment, à Apple sur, euh, sur Mac Québec. Je sais que l'équipe de rédaction travaille fort en ce moment à faire les, euh, les articles qui vont être postés au courant de la journée pour euh, faire un wrap-up aussi des, euh, des nouveautés. Donc, euh, messieurs, je vous remercie encore une fois d'avoir été euh, avec, euh, avec moi pour cette présentation-là. C'est très bien passé, ma foi. Ça, fut un, plaisir, ça, ça fut, fut un plaisir. Oui, tout à fait. Euh, et euh, on se dit à la prochaine fois, fort probablement le prochain événement spécial pour le iPhone 5 autour du mois de septembre, mois d'octobre. O voto Au revoir tout le monde. Bye. Bye. Bye.